Carter, Peter, vous étiez rendu directement dans les sous-sols de l'hôtel Shepherd. Vous étiez passé par le temple d'Ali Bel al-Kabir. C'était un chef malmouk du 18e siècle, gouverneur de la province ottomane d'Égypte. Et vous avez emprunté donc des escaliers orientaux, vous avez franchi une porte imposante et vous avez remonté alors un couloir où des phénomènes... Tu as ressenti des phénomènes un petit peu surnaturels, Peter. Tu as vu en effet des cailloux en lévitation à quelques centimètres du sol. Et puis, quelques picotements sur ta peau. Tu as reçu des frissons également. Et vous êtes rentré donc dans le vieux temple à deux niveaux en dessous. Et Carter semblait assez troublé par quelque chose en direction tout de suite sur la droite, de pièces qui étaient stockées dans un coin où il y avait deux grandes caisses, un énorme cube assez étrange, avec quelques caractères hiéroglyphes entre autres, et un immense sarcophage en basalte noir gigantesque. Et vous, Carter, t'as sommé de te rendre à l'entrée de ce couloir, où vous avez entendu des gémissements inhumains. Et c'est là que tu étais, Peter, avec ton sac en toile de jute, avec quelques restes humains. C'est là que Carter a brandi son arme et a tiré une balle dans ta cuisse. T'es effondré. Et une étrange créature humanoïde, assoiffée de chair humaine, s'est précipitée vers toi. Et après combat acharné, tu as pu réussir à t'enfuir et à te réfugier temporairement dans l'une des caisses. Et donc partant en même temps à la rescousse de toi, Samuel et Isabella, vous êtes arrivés au garde-manger, passant par la cuisine, et vous avez neutralisé un Égyptien qui était apparemment en train de discuter avec une tierce personne. Il était en train de faire du rangement lorsque vous l'avez neutralisé. Et en même temps, il y a eu une balle provenant d'un couloir sombre. Vous avez également pu le toucher quasiment mortellement. Et ensuite, vous avez emprunté le même parcours que Peter, avez fait une petite fouille rapide dans le temple d'Ali Bel al-Kabir. Vous avez découvert entre autres des parchemins et vous avez descendu les grands escaliers orientaux où vous avez croisé Carter. Vous alertant d'une agression, d'une menace au vieux temple et que Peter était en danger. Vous êtes donc arrivé, vous êtes passé par la salle des décombres et malheureusement, Samuel, tu as été piqué par la queue d'un scorpion. Isabella, du coup, tu as poursuivi seule ta course et après avoir traversé cette zone étrange, justement, avec cette sensation de frisson, de nausée, tu es arrivé au vieux temple où là, tu es arrivé in extremis pour sauver Peter qui, la caisse était renversée par la sorte de créature humanoïde et qui allait justement le mordre au niveau du cou. Et tu es arrivé, tu l'as tué d'une seule balle. Ensuite, tu as amené justement Peter à la salle des décombres où vous avez retrouvé Samuel. Et ensuite, vous êtes revenu aux cuisines et ensuite au restaurant qui n'était pas ouvert, hein, mais sur lequel vous avez pu, en tout cas, attendre un médecin. Isabella, t'es partie directement à la réception, et c'est là que tu as croisé Carter, en train d'échanger avec un ton assez très très sérieux. Il paraissait même en colère vis-à-vis de Vader et de Lupin, et tu as interrompu très brièvement leur conversation en mettant une gifle à Carter. Et ensuite, tu as poursuivi ta course jusqu'à la réception en demandant, en alertant à Cleveland qu'il fallait absolument un médecin en urgence. Et ensuite, le médecin est arrivé pour appliquer des premiers soins à Samuel et Peter.
sous l'œil justement du maître d'hôtel du restaurant, et d'ailleurs vous avez pu apercevoir dans la salle des bals, qui est juste à côté, le directeur de l'hôtel qui était en train de finaliser la soirée justement du bal costumé, prévu ce soir à 21h. Il est 18h05, et durant justement ce moment où vous avez pu reprendre votre souffle, vous avez aperçu Vader dans la cuisine lorsque la porte s'est entrouverte. Et nous en étions restés là. Il est donc 18h05. Pour l'instant, le restaurant est toujours fermé. Il n'y a personne. On vous a apporté d'ailleurs... vous voyez le serveur qui arrive avec un plateau et une bouteille de whisky directement. Et puis, trois verres. Toi, Samuel, tu as la jambe, en tout cas, qui continue à être lourde, très très lourde. Et... tu vas avoir du mal à marcher, elle est complètement, elle est assez, tu as un peu mal quand même, hein, quand tu reposes le pied dessus. On te met à disposition d'ailleurs une canne. Et que dit le médecin m'a dit que, comment ça va se passer ma guérison? Il t'a prescrit voilà, quelques médicaments justement pour arrêter cette inflammation. D'accord. C'est un traitement utilisé qui a fait ses preuves justement parmi les archéologues très régulièrement qui peuvent être piqués par ce type de scorpion. Très bien. Dans ce restaurant d'ailleurs tu relèves un petit peu, tu regardes un petit peu en direction de la cuisine lorsque tu as vu justement Vader passer, hein, comme Peter et puis Isabella. Et puis tu aperçois quelques petits cafards. Il doit peut-être en avoir une dizaine. Ils sont tous regroupés. Et ils s'arrêtent. Il y en a deux d'ailleurs. T'as même l'impression qu'ils sont à un mètre de toi, qui sont en train de t'observer. Pendant que l'autre groupe de cafards continue son chemin sur les magnifiques tapis de ce restaurant en direction de la cuisine. Et ces deux cafards t'observent. Enfin, tu as l'impression qu'ils t'observent vraiment. Bah, je suis un peu interloqué. J'interpelle Peter et Isabella. Vous avez vu ces insectes qui se comportent bizarrement, vous trouvez pas? C'est infect, il y a vraiment des insectes partout dans cet hôtel. C'est un vrai problème d'hygiène. Je suis d'accord. Mais ne demande pas si c'est pas plutôt lié au phénomène. Souvenez-vous, vous en aviez observé, il me semble, non loin de Carter. Peut-être qu'ils se reproduisent trop vite avec cette chaleur. Et... Le serveur arrive justement, il arrive tout juste du bar, il place justement la bouteille, il vous sert chacun votre verre de whisky, et il vous a entendu parler justement de ces cafards. Oui, c'est assez étonnant, c'est assez rigolo, d'ailleurs on a même l'impression qu'ils sont en train de discuter. Est-ce que vous voulez des glaçons avec votre whisky? Je veux bien, oui. Moi, je regarde les cafards un peu plus attentivement parce que je trouve ça rigolo ce qu'il a dit, le serveur, et j'essaye de comprendre pourquoi il dit ça. Tu vois, est-ce qu'il s'agite les antennes l'un en face de l'autre? Je suis pas du tout versé en entomologie, mais justement, c'est amusant. Bah, quand tu regardes, hein, ces sortes de scarabées, enfin, on sait pas trop. Au moment où le serveur justement a prononcé cette phrase,
C'est assez bizarre parce qu'on a même l'impression, quand tu les as regardés, ces cafards, que c'est comme si qu'ils l'avaient entendu et ils se sont retournés, comme s'ils paraissaient gênés. Et du coup, ils sont partis rejoindre l'autre groupe de cafards en direction de la tuisine. Eh bien, cela arrache un rire assez franc à Isabella, parce que après toutes ces émotions, de voir ces petits cafards anthropomorphisés comme ça dans leur comportement par un serveur et puis par Samuel, et de voir les cafards qui ont effectivement l'air de jouer le jeu d'une certaine façon, par hasard bien entendu, ça fait beaucoup rire Isabella. Il y a une soupape qui s'ouvre. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après ce que Peter nous a raconté, il faut que nous décidions rapidement de quoi faire. Si bien compris, il se prépare des choses là-dessus. Personnellement, j'aurais bien pris quelques jours de repos après ce qui m'est arrivé. Oui, mais nous ne sommes pas payés pour ça, malheureusement, Peter, et il nous faut résoudre cette affaire. D'ailleurs, mais... est-ce que le médecin a regardé votre jambe, Peter ? On dirait oui, encore. Ah, si. Pardon, effectivement. Je parlais de la mienne. Oui, dans les deux cas, justement, pour vous, il n'est absolument pas inquiet. C'est une histoire, justement, de peut-être 24 heures pour toi, Samuel. Quant à toi, malheureusement, mon Peter, ça va durer plus longtemps. Hein. Tu vas garder cette gêne. J'ai un trou. Cette douleur pendant au moins plusieurs mois. Mais oui. Comment je vais faire pour mes représentations de haute voltige? Ah, Peter, vous devrez les oublier. Mais peut-être pourrez-vous venir en convalescence chez moi. Vous pourrez classer mes notes d'archéologie, ça vous occupera et ça me rendra service. Je sais pas, j'ai récemment essayé de faire un stage avec un archéologue. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de reproduire. Je croyais que vous étiez pas sûr. Oui, c'est une passion qui passe vite. Ah non. Ben, ça dépend peut-être des conditions dans lesquelles vous faites vos premiers pas. Bon, Isabella, ne soyez pas naïve, vous savez que Peter est quelqu'un de volage. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut jamais vous garder au même endroit plus de quelques jours. Bon, je ferai l'effort de venir me reposer un petit peu en votre compagnie. Votre jambe vous remerciera. Probablement. Bon, eh bien, qu'allons-nous faire maintenant ? Eh bien, botter les fesses de ce cher Howard. Enfin, je veux bien ne pas prévenir les autorités, c'est une chose. Mais enfin, il m'a quand même tiré dans la jambe, je vais pas rester sans rien dire. Oui, vous voulez porter plainte ? Non, je veux au moins en référer au directeur de l'hôtel. Oui, alors là, est-ce bien le bon moment À quelle heure commence la fête d'anniversaire, d'ailleurs ? 21h. J'ai une représentation ce soir. Oui, mais non, mais là, vous l'oubliez, Peter. Ben oui, absolument. La faute à qui ? À ce cher Howard. Ah ! Oui, c'est une bonne idée d'aller dire cela à Monsieur Belair. Ben oui, voyez comment il traite ses stagiaires. Oui. Voulez-vous que j'aille le trouver ? Ça vous évitera de marcher. J'aimerais surtout savoir si le directeur était au courant que son hôtel... me semble quand même que Carter et son... Un instant. Son binôme sont, on va dire, bénéficient d'un traitement de faveur dans cet hôtel. Je rappelle le serveur. Oui. S'il vous plaît, voulez-vous bien aller nous trouver Monsieur Belair et le ramener ici ? Dites-lui que c'est de la plus grande importance, que c'est au sujet de son anniversaire. Oui, il est juste à côté, justement. Vous le voyez, il s'éloigne. Oui, monsieur Belair, oui, s'il vous plaît. Visiblement, Belair était en train de demander à l'un des, justement, des responsables du zoo du Caire, hein, qui a amené un lion.
Si tout était assuré en termes de sécurité, hein, on pouvait apercevoir deux fauves hein, attachés par une chaîne, on pouvait entendre même quelques macaques à proximité. Hein. Et puis, il arrive avec Charles Belair, qui paraît assez nerveux, hein, il est en train de finaliser les préparatifs, visiblement. Il est sur plusieurs fronts. Ah, très bien. Je vous remercie, Alfred. Vous pouvez nous laisser maintenant. Merci beaucoup. Eh bien, je pensais que tout se passait bien pour vous, mais quand je vois l'état de votre jambe, il te regarde en tout cas, Peter. J'espère que. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Mon bon ami, un malheureux accident en compagnie d'un de vos clients. Ah, nous avons des jeux. Je vous écoute, oui. Vous souhaitez peut-être qu'on en discute directement dans mon bureau. Ce serait certainement préférable. Ah, je vois que vous avez une canne. Écoutez, prenez votre temps. On va directement aller dans mon bureau. C'est juste à côté. Je vous prie de me suivre. Merci, monsieur le directeur. Vous y allez tous, d'ailleurs. J'offre mon bras à Peter pour qu'il puisse appuyer contre moi. Merci, Isabelle. De l'autre côté de sa canne. Tenez, c'est par ici. En effet, hein, vous sortez du restaurant. Et c'est tout de suite sur la gauche, près du bureau de poste et des télégraphes. En face d'ailleurs des boutiques pour hommes. Installez-vous. Vous voyez un grand bureau, justement, en bois, très typique. À l'arrière, vous avez des fenêtres hein, qui donnent sur le jardin Isis. Et puis, il y a un commode, sur une petite bibliothèque. Des ouvrages justement sur le Caire et il vous invite à vous installer sur ces magnifiques fauteuils en cuir. Bah moi je m'installe bien volontiers. Ça, je vois aussi que vous avez eu du mal à marcher. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Une piqûre de scorpion malheureuse. J'aurais dû faire attention où je mettais les pieds. Bon, en tout cas, vous avez appelé le médecin de l'hôtel, donc le serveur m'a fait part que, justement, il vous avait soigné, il était intervenu, justement, pour un désagrément. Mais expliquez-moi tout, je vous écoute. Ouais, je me tourne vers Peter, parce que c'est quand même celui qui est le plus concerné. Oui. Comment vous dire ça, monsieur Belair? Il se trame des choses pour le moins étranges, ça vous le savez. Vous le savez déjà qu'il se trame des choses étranges dans votre établissement. Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, mais il se trame des choses malsaines également. Aviez-vous la connaissance de soubassement à votre hôtel? Oui, je sais que cet hôtel a été construit sur un ancien temple de l'Empire ottoman. Je sais que Napoléon, d'ailleurs, avait logé dans ce bâtiment, dans cette structure. Intéressant. Eh bien, apprenez que nous avons eu l'opportunité exceptionnelle de visiter ces soubassements. Et qu'ils sont pour le moins intéressants. En tout cas, je n'avais personnellement jamais vu de telles structures. Bon, non pas que je sois particulièrement versé dans les antiquités égyptiennes, pour être honnête. Vous savez, c'est un peu comme Rome. Hein. Rome a été construit sur plusieurs niveaux, en fonction des âges.
Eh ben, c'est le moins qu'on puisse dire, là. Il y a plusieurs niveaux et il y a des habitants. Comment ça, des habitants, des... Vous voulez peut-être parler... Je sais, j'ai souvent fait le reproche à notre cuisinier qu'il y avait des rats qui sortaient de sa cuisine et qui devaient procéder à un certain nettoyage. Le maître d'hôtel Mayer m'avait remonté certaines plaintes. Ah oui, il y a des... Ils sont en train de faire le nécessaire, justement. Oui, mais il va falloir des grosses cajards, là, quand même. Parce qu'ils sont un peu gros, quand même, les rats, là. Enfin, je veux dire... Vous m'inquiétez ? Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes en train de me dire qu'il y a... Qu'il y a d'étranges créatures, fort agressives, dans vos sous-bassements, oui. Oui, oui, tout à fait. Et que c'est un problème, parce que visiblement, ils avaient très très faim. Je ne sais pas s'ils sont très bien nourris. Mais montrez la morsure, Peter, montrez la morsure. Bien, voilà. Je n'ose vous révéler la totalité de l'histoire, mais sachez que l'un de vos clients importants, Monsieur Howard, ça m'embête de le citer, m'a mené dans ses souterrains et visiblement coutumier de l'espace et a voulu m'offrir en pâture à ces créatures. Vous parlez de Howard Carter. Possible. Vous avez vu ce qui s'est passé, Isabella Oh oui, tout à fait. Nous avons vu Monsieur Carter qui remontait du sous-sol seul et manifestement il avait refermé une lourde porte derrière lui, condamnant Peter à une pièce où il était en bien mauvaise posture. Écoutez, Monsieur Beller. Nous n'avons pas encore pour l'instant tous les détails, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il se passe tout de même des phénomènes étranges autour de ce monsieur Carter. Et je pense qu'il se trame quelque chose, il a l'air énormément sous tension. Il a en effet délibérément cherché à se débarrasser de Peter, qui s'est peut-être montré un peu trop curieux, mais il n'empêche que de là quand même à vouloir se débarrasser... de quelqu'un, c'est pas un comportement qu'on pourrait qualifier de commun chez un archéologue. Oui, je l'entends bien. Écoutez, je suis assez embêté. De toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Je vais être obligé d'en parler au chef de la police, du Caire. Bien, je ne sais pas comment voulez-vous procéder. Est-ce que vous avez confiance en ce chef de la police ? Bah, bien évidemment. Il m'a souvent quelqu'un de très sérieux, très fiable. Et est-ce que vous avez des personnes au sein de l'hôtel qui pourraient garder sous surveillance permanente entre guillemets Monsieur Carter et son complice. Comment s'appelle-t-il déjà, Isabella? Mr. Vedder. Mr. Vedder, oui, c'est ça. Garth Vedder. Eh bien, j'ai un détective personnel, vous l'avez peut-être croisé. Il était d'ailleurs au restaurant ce midi. J'ai pu échanger avec lui, il se plaignait qu'il ne passait pas en priorité d'ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux, une petite moustache, il doit avoir peut-être une cinquantaine d'années. Je vous mettrai justement, je ferai en sorte. Voilà, En tout cas, monsieur Bélo, de mettre monsieur Carter sous surveillance par. Justement, Mr. Brown, Scott Brown. En tout cas, Monsieur Beller, exhortez vos hommes à se montrer extrêmement prudents. Je pense que Monsieur Carter est énormément sous tension et je pense que c'est un homme qui est prêt à faire beaucoup de choses pour, faire en sorte que ses plans se passent comme il l'a prévu. Mais cependant, on ne sait pas exactement ce qu'il prévoit de faire dans vos sous-bassements, mais je crois, Peter, que vous avez... Enfin, j'ai pu observer certaines caisses, il me semble, c'est cela. Oui, oui, oui. Et on a entendu dire qu'il utilisait cet endroit pour déplacer certaines choses, peut-être, je ne sais pas.
Mais je pense qu'il y a, il y a eu, au moins récemment, des fouilles dans cet espace. Des découvertes ont certainement été faites. D'ailleurs, vous voyez cette espèce de cube gigantesque qu'Isabella a pu voir quand elle est venue me chercher, ou cette espèce d'étrange sarcophage tout noir que nous avons vu. Il y a peut-être, absolument, il y a, c'est... Il y a peut-être des reliques, en effet, qui ont été dissimulées au sein de votre hôtel. On ne sait pas si elles ont été découvertes ici. Et rappelez-vous que nous les avons surpris parlant de pièces noires dont ils souhaitaient se débarrasser. Mmh. Et il s'avère aussi que j'ai entendu que un certain monsieur Lunpin était ici d'ailleurs pour acheter certaines pièces pas au marché noir, mais disons peut-être en contrebande, c'est ça, merci. Peut-être. Il est vrai que voilà, il y a eu quelques transferts de caisses vers les sous-sols de l'hôtel, mais bon, c'est une pratique à laquelle Monsieur Vider et le cuisinier m'ont habitué. Certes, mais de là tout de même à tirer une balle dans la jambe de... Oui, non, mais c'est pour ça, ça ne peut pas... Qu'on a essayé de nous tuer, Samuel et moi, avant que nous puissions rejoindre Peter. Oui, donc, certes. Nous ne savons pas si cependant c'était un subalterne de monsieur Carter. Malheureusement, il n'a pas survécu à la fusillade. Il y a un cadavre, oui, dans vos... Je suis obligé donc d'en référer au chef de la police. Mais bonne idée. Je vais l'appeler tout de suite. Je pensais ne pas prévenir les autorités pour préserver votre établissement, mais si vous décidez effectivement de prévenir les autorités, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'en est-il de la réputation de l'établissement ? C'est un peu la raison pour laquelle vous nous avez fait venir, c'est de faire les choses plus secrètement. Bien sûr, je vous demande de rester en toute discrétion. Je vais m'en référer au chef de la police, je ne sais pas vraiment comment procéder, je vais prendre garde, voir son avis... Ça se trouve, vous avez peut-être raison, peut-être que s'il y a un cadavre dans les sous-sols, on vous a agressé. Est-ce que vous pensez que nous devrions peut-être temporiser cela ? Bah surtout, Peter, vous devriez parler de ce fameux sac de jute tout de même. Effectivement. Ouais. Monsieur Carter m'a obligé à transporter un sac rempli de membres visiblement humains pour nourrir ces créatures. J'étais en train de fumer un cigare quand tu lui dis ça. Quelle horreur. Je ne connais pas leur provenance et... Il faut que nous ayons absolument une discussion avec Monsieur Carter. Écoutez, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois... Écoutez, monsieur le directeur, contactez le chef de la police, parlez-lui des événements troublants dont votre hôtel a été entre guillemets victime malgré vous. Et peut-être avez-vous accordé votre confiance trop facilement à cet homme, mais ça ne fait pas de vous un criminel. Et je tiens juste à dire avant tout que vous souciez surtout de la sécurité de vos clients et d'autant plus que le roi Fouad est quand même présent. Entre vos murs, il ne voudrait pas qu'il se passe quelque chose de malheureux parce que nous aurions trop tardé peut-être à agir. Surtout que c'est le soir du bal costumé. Écoutez, je vais quand même appeler le chef de la police. Exactement. Voilà, qui temporise, je lui demanderai de temporiser justement les mises en examen. Mais en tout cas, les gardes à vue de Monsieur Carter. Et... au moins de rester discret pour ce soir. Et j'enclencherai justement, je vais déjà lui en tenir un mot, et puis je lui demanderai qu'il enclenche les procédures dès demain. Mais enfin, monsieur Belair, gardez quand même à l'esprit qu'il y a eu des morts et des blessés graves. C'est pour ça que je ne sais plus quoi faire. Là, ça me tombe dessus. Je pense en tout cas peut-être que monsieur Carter et Vedder vont peut-être... agir
dans la nuit. Ils savent peut-être que maintenant nous savons certaines choses, ça va peut-être précipiter leur action aussi. Je pense qu'il va falloir que nous soyons prêts peut-être à empêcher leur plan, même si nous n'avons pas encore les détails. Et c'est pour ça que je vais demander à ce qu'il y ait justement ce détective qui surveille également votre chambre, en tout cas qui mette quelques personnes qui travaillent pour lui à l'entrée de votre chambre. Pour cette nuit du moins. Ce serait bienvenu. Vous savez, merci moi, beaucoup. La police, je n'ai qu'une confiance modérée dans les services de police. Je préfère effectivement la compagnie de vos enquêteurs personnels. Je vais tout de suite le convoquer. Vous voyez, dans son téléphone, il appelle Cleveland. Alors, c'est pas très loin d'ailleurs. Oui, pourriez-vous. Est-ce que vous avez vu Mr. Brown? Oui, il était justement dans le couloir, pas très loin d'ici. Écoutez, je voulais que je vous fasse venir. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien, il ne devrait pas tarder. Bon, écoutez, bien évidemment, Peter, je comprendrais si ce soir vous n'êtes pas des nôtres, vous avez dû être complètement choqué par ce qui est arrivé. Compris vous également, Isabella, Samuel. Bon, je viendrai avec plaisir. Je serai peut-être moins agile qu'à mon habitude, mais ce n'est pas une raison pour louper une fête, surtout une fête comme celle-ci. Ce que je me demande, c'est quel déguisement porteront Monsieur Carter et Monsieur Vedder. Est-ce que nous saurons les reconnaître? Est-ce que la police pourra les tenir à l'œil? Mais surtout, est-ce qu'ils vont participer? Parce que je pense que c'est peut-être aussi pour eux le meilleur moment pour agir. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Tout le monde regroupé au sein de la salle des fêtes. Les gens, en plus. Et s'ils en profitaient pour redescendre? Mais surtout, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'ils y font en bas. De la contrebande d'objets archéologiques. Rappelez-vous que... C'était très étrange car toutes les... plein de petites torches étaient allumées. Comme si quelqu'un d'autre y avait pénétré avant vous, Peter. Est-ce que Monsieur Carter prendrait de tels risques pour simplement faire de la contrebande? J'ai du mal à y croire. Mais était-il au courant des risques? Ne nous avez-vous pas dit qu'il avait l'air de prévoir de faire une grande révélation? J'ai pas très bien compris, mais... C'est plus qu'une simple contrebande, je pense. Bien, je sais qu'il était justement près de Luxor, en train de faire des fouilles. Peut-être qu'il a trouvé, certains disent, une tombe convoitée depuis un moment. Il aurait dissimulé cette trouvaille depuis? Je ne suis pas spécialiste en archéologique. Je me tourne vers Isabella. Est-ce que Carter aura un intérêt à ne pas révéler qu'il a fait une découverte hein? Dans quel but? Est-ce que vous auriez une idée? En tant qu'archéologue, vous êtes un consoeur après tout. Quel intérêt Carter aurait à dissimuler le fait qu'il ait fait une découverte peut-être majeure? Eh bien, j'ai réfléchi. Tu vois un petit peu son jeu et... Et ma conclusion, c'est que je ne vois vraiment pas quel intérêt il aurait eu. Car en général, on se précipite pour... Une fois qu'on sait qu'on a trouvé un site, il est de bon aloi de le réclamer. Ou de s'en réclamer. Peter, vous qui avez échangé avec Carter, est-ce qu'il vous a pas semblé que peut-être dans vos échanges, est-ce qu'il n'aurait pas révélé certaines choses qui pourraient nous aider à penser, à réfléchir du moins à ces projets plus en détail? Simple. Je ne sais pas. Eh bien, visiblement, déjà, il souhaite se débarrasser au plus vite du moindre curieux. Qui viendrait l'enquiquiner.
C'est un fait. Et non, il ne m'a rien révélé de particulièrement marquant, si ce n'est l'existence de ce temple, de ces créatures, de ce cube immense, de ce sarcophage. Est-ce que ce n'est pas là sa découverte ? Et dans sa chambre, qu'avez-vous lu sur son bureau ? Sur son bureau, écoutez, tout un tas de papiers sur ses recherches. J'ai vu des statues, j'ai vu des sculptures, j'ai vu des papiers de recherche, des livres d'archéologie. Je n'y connais rien, moi, en archéologie. Rien qui, de mon point de vue, sortait de l'ordinaire. Laissez-moi réfléchir. Non, il n'y a rien qui te sortait de l'ordinaire. Hein. Tu as pu parcourir ces différents ouvrages, mais en diagonale, non, c'est vraiment à part ce l'image, en tout cas, d'un salon qui serait occupé d'un archéologue, hein, mais rien de suspect, en tout cas, rien de comparable avec ces objets insolites que tu as pu voir au sous-sol, ni même ces sortes de lunettes astronomiques avec ces différentes lentilles dans la chambre de Vader. Voilà, mais rien de particulier. Enfin, voilà, des notes, des recherches, des plans, des photos, mais j'imagine que ce sont pour ces chantiers. Et comme je n'y connais rien, moi, en archéologie, je ne sais pas exactement se présenter ces plans, ces photos, etc. C'est à ce moment qu'il y a une personne d'une petite taille, chauve, assez bien habillée, comme tous les résidents de l'hôtel. Et oui, une petite moustache ridicule. Et il s'approche. Monsieur Belair, vous m'avez convoqué, visiblement. Il vous observe. Scott Brown, enchanté. Il vous salue tous. Il garde une certaine distance. Enchanté. Moi, je me présente à mon tour. Hein. Je le salue également. Oui, merci Scott d'être venu. Voilà, c'est ces trois personnes enquêtent justement sur ces différents phénomènes assez désobligeants qui se produisent depuis 15 jours. Et ils ont eu un accident, ou du moins une agression. L'un d'eux, justement, Peter, justement, a suivi Monsieur Carter au sous-sol de cet hôtel. En tout cas, ils sont partis ensemble. Il ne l'a pas menacé en quoi que ce soit. Hein. Il l'a amené au sous-sol, hein. Il l'a conduit au sous-sol. Et puis, arrivé là-bas, visiblement, il y avait des rats d'une dimension assez disproportionnée, assez imposante. Beaucoup plus que la normale, que la moyenne. Plutôt des troglodytes, il me semble, si j'ai bien compris. Ah, ils étaient très humanoïdes. Ces créatures étaient étranges. Mais ce n'étaient pas des hommes. Non, effectivement, ça tient plus du rat, ou je sais que sais-je. Ils ont essayé de me manger, enfin de me mordre, quoi. Et donc, suite à cela, en tout cas, juste avant cette agression par ces bêtes, Monsieur Carter a visiblement fait en sorte que Monsieur Peter Reynolds serve au dîner à ces créatures. Heureusement, il a pu sortir précipitamment. En tout cas, voilà son témoignage. Et vous le voyez, Brown, il a un petit sourire, il prend pas vraiment ça au sérieux, mais il se reprend. Il avait l'air de se laisser aller, il est assez stupéfait. Il regarde ta cuisse, c'est à ce niveau ici, il prend son stylo,
Il met le stylo contre ta cuisse, comme ça, c'est à ce niveau-là qu'il a tiré une balle. Donc... Oui, oui, vous inquiétez pas. Et il reprend son stylo, il fait quelques pas. Et voilà, donc, monsieur Brown, je souhaiterais que vous filiez, que vous surveilliez, que vous fassiez part, justement, de tous les agissements de monsieur Howard Carter. Mais vous n'allez pas appeler la police, justement, les autorités. Je m'en occupe, vous inquiétez pas de mon côté, mais pour le moment, il y a en effet des hommes très importants ce soir, au niveau du bal. Nous avons justement le roi Fouad Ier qui est présent, nous avons Winston Churchill. Nous ne pouvons pas permettre d'avoir une mauvaise publicité, donc je préfère pour le moment assurer la sécurité de ces charitables personnes qui sont venues nous aider pour résoudre ces problèmes assez atypiques et faire en sorte que tout se déroule très bien avec l'ensemble de nos invités. Il y a d'ailleurs l'imam des musulmans qui est Mohamed Lajah Khan qui est arrivé il y a une demi-heure. Donc nous sommes... Il y a les journalistes, notamment du Times, qui sont présents. Donc, je ne peux pas me permettre de faire un scandale. Gardons-les sur surveillance. Je m'occupe d'en alerter, en tout cas, le chef de la police du Caire. Et il lancera les procédures dès demain. Très bien, ça me paraît tout à fait convenable. Oui, j'oubliais aussi, Scott, il faut assurer la sécurité de Miss Archer, Mr. Reynolds et Mr. Johnson. Ils logent au niveau de ces chambres. Si vous pouvez mettre peut-être deux personnes guettant dans le couloir, si une moindre menace s'avérait dans la nuit. Oui, très bien, vous me... signalerez vers quelle heure vous compterez vous rendre dans vos chambres, et dans ces cas-là, je pourrais les mobiliser sur une plage horaire. Et puis, peut-être pourriez-vous aussi mettre des hommes à l'entrée de ces souterrains en bas de la cuisine, afin que plus personne ne les emprunte, dans un sens ou dans l'autre. Comme ça, les habitants de l'hôtel, y compris le roi Fouad et Mr. Winston Churchill, seront plus en sécurité. Rendez-vous compte, une de ces créatures remontées, elle ferait un carnage. J'avoue que je me sentirais plus rassuré si cette cave était gardée. Oui, Scott, je m'en occupe. Je vais voir ça justement avec le cuisinier. Je vais lui en toucher un mot et ensuite vous pourrez mettre deux personnes. Et me signaler si, éventuellement, quelqu'un forcerait le passage. Très bien, monsieur, j'attends votre directive pour la cuisine. Et de toute façon, je commence à organiser justement la protection pour vous, dès cette nuit. Je pensais mettre peut-être des personnes, des individus vers... je pense que vous allez à la soirée du bal, peut-être vous détendre ou faire autre chose, je sais pas. Peut-être, je vais essayer de voir si je peux mettre quelqu'un, en tout cas, entre minuit et 6h du matin. Parfait, ben merci beaucoup, monsieur Beller, pour votre aide. Quant à merci nous, à vous, et c'est surtout, je suis vraiment attristé de vous voir dans tel état, à peine arrivé dans cet établissement. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu pour l'instant mort d'homme. Je déglutis quand je dis ça. Mais on va faire en sorte en tout cas de mener toujours notre enquête en parallèle afin de vous donner plus d'éléments au besoin quand le chef de la police viendra sur place. Très bien, parfait. Bien sûr, merci de nous avoir reçus. Peter, Isabella, je pense que on devrait peut-être continuer de notre côté. Absolument.
si... Je vais aller me faire préparer un costume. Pardon, Peter. Je vais aller me faire préparer un costume. En effet, tu étais le seul qui, pendant que Isabella et puis Samuel, vous étiez en train de vous faire prendre vos mesures hein, pour vos costumes. En effet, toi, tu étais dans la chambre de Ward Carter. Oh mon Dieu, le costume! C'est vrai, il faut que j'aille le chercher? Rassurez-vous, on vous l'a placé directement dans vos chambres. Oh, merveilleux. Voilà, je ne sais pas s'ils sont prêts, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Rassurez-vous. Excellent. Quant à moi, je vais aller me détendre un peu à la salle Isis. Bah, rejoignez-moi quand vous avez terminé avec le costume, Peter. Très bien, très bien. Et Isabella, que comptes-tu faire ? Il est maintenant 18h30. Eh bien, Samuel et Peter, qu'est-ce que vous comptez faire, vous ? Bah, quant à moi, je pense que je vais aller boire un verre à la salle Isis. Il y a d'ailleurs le bar qui est ouvert à cette heure-ci. Si vous le souhaitez, c'est... Après, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, on l'appelle le long bar, justement, ici, non pas par sa taille démesurée, mais parce que le temps d'attente est en général un peu trop long. Mais je pense que ce soir, il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde, étant donné que les gens commencent à se préparer dans leur chambre. Eh bien, allons-y, peut-être que nous allons croiser Agatha à nouveau, et puis sinon, et bien, ma foi, elle sera... Sur mon présent ce soir, je suis désolée, nous ferions mieux de rester les yeux sur Carter et Vader, mais ouais, c'est une personne charmante, vous savez. Oui. Je vais faire quand même un petit détour par la réception afin de demander à... Comment il s'appelle déjà ? Cleveland. Oui, merci Cleveland, de voir s'il a aperçu... Voilà, Carter ou du moins son complice, certains déplacements. Si peut-être il y a eu des nouveaux arrivants qu'ils ont pu rencontrer, sait-on jamais. Oh bah vous n'êtes pas très loin en fait, là, la direction. Oui, vous voyez, elle est juste ici. Hein. On n'est pas au courant de. Moi j'aimerais savoir en fait surtout est-ce qu'ils vont rencontrer des gens ou ils font un truc entre eux. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Très bien. Donc j'irai poser la question, bien sûr. Je prendrai le déplacement de la réception pour aller voir Cleveland. Il demandait si par hasard il avait vu Carter ou Vader discuter avec quelqu'un d'autre. Et Isabella, donc Avant de, bien sûr, aller au long bar. Et Peter ? Alors Peter, lui, il va justement dans la boutique de mode... Ah. Pour essayer un costume. Ça ira, Peter, vous n'avez pas besoin d'aide. Non, ça ira, j'ai une canne. Bon, et bien, Samuel, je vous attends au bar, hein, dans Jardin Isis. Très bien. Alors, tu vas au bar ou directement à la salle Isis ? C'est deux endroits où tu peux prendre un verre. À la salle Isis. Ok. Si elle est accessible, c'est là qu'il y aura... Oui, elle est toujours accessible. Tu arrives à la réception devant Cleveland. Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous ? Je te regarde, en tout cas, Samuel. Monsieur Cleveland, je me permets de... Je souhaitais savoir si vous aviez croisé... Si vous avez pu apercevoir peut-être des nouveaux arrivants et dont certains qui auraient pu peut-être parler à Monsieur Carter ou à Monsieur Vader. Eh bien, c'était sur les... Il y a eu un scandale tout à l'heure. Il y avait justement Monsieur Carter avec Monsieur Vader et Monsieur Lupin. Visiblement, Monsieur Carter paraissait assez remonté vis-à-vis d'eux.
Il trouvait que c'était absolument scandaleux qu'on lui avait dérobé quelque chose. Je ne savais pas trop quoi. Et puis votre ami est arrivé et a giflé l'archéologue. Et ensuite est venu me retrouver pour appeler un médecin en urgence. Ah oui, excusez-moi, pas très très bien compris qui a accusé les autres de Monsieur Carter qui a accusé justement Monsieur Vader. On lui avait apparemment volé une quelque chose. Ah, et Monsieur Lunpin semblait connaître ces deux hommes bien ou Oui, il a souvent fait affaire avec Monsieur Vader. Intéressant. Très bien. Bien, écoutez, merci Cleveland. Voilà, après, vous ne savez peut-être pas, mais il y a eu aussi l'arrivée, justement, de la Jackan. C'était à peu près sur... il est arrivé avec son cortège, mais beaucoup plus discret par rapport au roi de Fouad Ier. Il est arrivé aux alentours de 17h30, et il est parti à sa chambre à 18h. Pardonnez ma méculture, mais qui est cet homme exactement, la Jackan? C'est l'actuel imam des musulmans chiites ismaéliens, et d'ailleurs l'ami personnel de Monsieur Beller. C'est pour ça qu'il est venu, en tout cas en toute discrétion, afin de profiter de la fête sans être dérangé. Il n'y a pas eu d'autres arrivants entre-temps? Il y a eu aussi un personnage plutôt assez atypique. On a du mal à deviner qui souhaiterait occuper une chambre. C'est quelqu'un, un local, ça m'avait un peu marqué, puisqu'il avait le visage brûlé d'un côté. Assez défiguré, quoi, qui m'a assez attiré l'attention lorsque je l'ai vu. Et bien sûr, j'ai décidé de garder un œil sur lui et j'ai vu qu'il était parti en direction du bar. Intéressant, très bien. Mais écoutez, je vais peut-être dans ce cas-là voir qui peut être cette personne. Merci en tout cas. Si vous voulez, je peux vous donner son numéro de chambre. Je vais regarder ça tout de suite. Je le note dans mon petit calepin. Étant donné que Monsieur Beller m'a fait part justement de votre enquête, il te le note directement dans un coin, c'est la chambre 487. Oui, d'ailleurs, Monsieur Cleveland, comme je sais que mine de rien, vous connaissez fort bien cet hôtel, je compte sur vous pour noter tous les détails qui concernent Monsieur Carter, Monsieur Vader et même mine de rien, Monsieur Lunpin, ça pourrait nous intéresser. Nous avons des raisons de penser qu'il prépare quelque chose et qui ne serait peut-être pas, comment dire, pour rien avec ce qui se passe depuis un certain temps de troublant au sein de l'hôtel. Voilà. Sachez que M. Beller, bien sûr, nous soutient, il est déjà au courant. Très bien, très bien. J'irai de toute façon m'entretenir avec lui pour qu'on ait le même niveau tous d'information. En tout cas, merci pour cela et puis je vais continuer de mon côté. Merci en tout cas pour ces informations. Et bon courage pour la préparation des festivités de ce soir. Puis je pense que je vais me rendre... Je vais quand même passer par la petite boutique pour aller voir Peter. Et je me dis comme il teste son costume. Je l'interpellerai. Peter, je peux te parler quelques minutes? Mais certainement, viens donc m'aider à choisir ce costume. Quand tu arrives, tu voyais justement le propriétaire de cet établissement, John Murphy, qui était en train d'aider justement dans une cabine d'essayage le nouveau costume pour Peter. Et vous revoilà, monsieur. Justement, votre costume est prêt. Hein. Veuillez m'excuser, je termine avec avec ce client. Je sais, c'est peut-être un peu excentrique, mais est-ce que vous pourriez nous laisser juste quelques minutes? Je voudrais m'entretenir de quelque chose de, comment dire, d'intime avec. Écoutez, je suis en train de terminer les mesures. Si ça peut juste attendre un petit instant. Mais je suis sûr que ce monsieur n'a pas l'oreille indiscrète. Je préférerais tout de même, comment dire,
Très faites vite, très finissez vos mesures et laissez-nous 5 minutes, ça devrait suffire entre hommes. D'ailleurs, tu voulais quel costume, Peter ? Alors, j'ai besoin de bandages. Je me disais que finalement, un costume de momie m'irait fort bien. Intégral ? Est-ce que vous pouvez me faire un bandage intégral ? Bien, écoutez, je n'ai pas assez de bandages, mais en tout cas, je vais faire appel justement à l'infirmerie pour qu'il m'apporte tous les tissus nécessaires. Et puis, nous allons pouvoir, à partir des mesures, vous confectionner un vêtement, mais il va falloir faire très très vite. Très bien. Faites au mieux. Et je lui envoie un lourd regard hein, en attendant qu'il peut-être se prenne. Oui, bah ça va durer un quart d'heure hein, encore. Ouais. Et puis à un moment donné, donc voilà, je vais vous laisser avec votre ami, monsieur. Merci beaucoup, merci, c'est bien aimable. Et du coup, bah tu sais, je viendrai te prendre un peu par l'épaule pour te murmurer, Peter. Je passais voir le réceptionniste, quelque chose qui m'a l'air intéressant. Bon, comme je connais tes talents, il semblerait que comment dire, la relation entre Carter et Vedder n'est pas homophique. Carter aurait comment dire, accusé son complice de vol. Je me doute que ce n'est pas forcément peut-être toi le responsable. Enfin, qui sait, peut-être. Et tu vois que je te regarde, je n'aurais rien pris. Non, je t'assure, voilà. Je n'ai rien pris. Bon, d'accord. Je m'intéressais à un livre, mais il m'a demandé de le reposer, et je l'ai fait. En tout cas, Monsieur Lonepin me semble être un acheteur de reliques ou de d'artefacts. Serait peut-être intéressant, je ne sais pas, mais voir s'il n'aurait pas acheté quelque chose. Ça pourrait être envisageable. Que Carter fait ça pour l'archéologie, mais peut-être que Vedder, lui, a des envies plus, comment dire, je ne sais pas, mais peut-être qu'il est plus intéressé par l'appât vieux gain. Pas l'air d'avoir le même profil, je ne sais pas ce que t'en penses. En effet, ils s'incoquinent assez mal tous les deux. Mais que voudriez-vous que je fasse ? Eh bien, je sais que vous n'êtes pas en grande forme, mais j'aimerais savoir si vous pourriez savoir si Monsieur Lonepin a acquis quelque chose récemment. Peut-être. Où va-t-il acquérir quelque chose ce soir, par exemple, peut-être une transaction future qui a eu lieu, je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait être intéressant de savoir ce que... Vous me proposez de me faufiler dans les habitations de Mademoiselle Olga Lopine ? Bon, écoutez, il y a plein de manières de faire. J'aurais pensé qu'un gentleman tel que vous aurait peut-être pu obtenir l'information par le biais de la séduction. J'ai pas pu m'empêcher de voir qu'elle ne vous laissait pas insensible, même si son cœur semble déjà pris. La jeunesse fait que peut-être qu'elle sera aussi sensible à votre charme, je n'en sais rien, ou votre méthode plus discrète, peu importe. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant de faire traîner des oreilles avant peut-être de pénétrer sur place, parce que c'est peut-être de simples présomptions, peut-être que Carter accuse sans raison. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde qui va dans ces souterrains, de ce que j'ai pu voir. C'est vrai. Et tu vois que je te tends la main, le poing fermé, paume vers le bas, comme si je voulais te donner quelque chose. Oui, je m'en saisis. Prenez donc, et donc dans ta main tu trouves le pass. La clé qui ouvre toutes les chambres. Je sais pas ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est le sésame pour que vous puissiez visiter les appartements de monsieur et mademoiselle Lopin. Je ne suis pas en condition de le faire moi-même, mais grâce à celui-ci, vous pourrez rentrer sans être remarqué. Peut-être un costume de serviteur vous aiderait-il à passer inaperçu ? Comment saurais-je si a acquis une pièce liée à Carter ou Vedder, je ne m'y connais pas assez. Ça devrait peut-être pas plutôt confier cela à Isabella, je ne sais pas. Eh bien,
C'est une bonne question, mais il me semble bien qu'ils avaient parlé de pièces noires. Si vous parveniez à mettre la main sur une pièce noire, ce serait en soi déjà un indice. Peut-être leur ont-ils fourni un exemplaire de démonstration, un appât pour la vente. Cependant, je ne suis pas certain que peut-être la transaction a déjà eu lieu. Mais il semblerait que Carter affirme que quelque chose lui a été volé. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il est retourné aux cuisines après notre petit... après votre aventure ou il n'y est pas retourné depuis que vous y êtes rencontrés tous les deux en dessous. Ce serait bien de savoir. J'ai pas le sentiment qu'il ait eu beaucoup le temps d'y retourner. J'entends par là que nous avons résidé un certain temps dans le restaurant et s'il était passé pour retourner aux cuisines, nous l'aurions vu. La question, c'est de savoir, est-ce que vous savez si lorsqu'il vous a abandonné, à cette créature, vous avez pu voir qu'il a observé certaines choses, il avait l'air furieux, il a vu quelque chose qui a eu l'air de l'indisposer. Avec le recul, il savait. Je pense qu'il savait ce qui m'attendait. Et que... Il a fortement insisté pour que j'entre dans cette pièce sombre devant lui, alors que sur le reste du chemin, il avait tendance à me guider. C'est un espace qu'il connaît clairement. Moi, j'en reviens à ce que je disais plus tôt dans le bureau du directeur, mais je pense que c'est un espace qu'il est en train de fouiller. Et quand il parle de découvertes, je pense que les découvertes ont été faites ici, pas dans la Vallée des Rois ou que sais-je. C'est probable. J'ai le sentiment que ces découvertes se sont faites ici et que peut-être un certain nombre de ces artefacts qu'il cherche à écouler auprès de M. Lopin sont peut-être encore dans les sous-sols. Mais est-ce que quand vous êtes arrivé sur place, il avait l'air d'être surpris par ce qu'il a vu? Je ne sais pas, par exemple, parce que là, c'est le joueur qui parle HRP, mais moi, de mémoire, je me souviens qu'il avait dit que... Alors, Pazo, corrige-moi, peut-être que son personnage ne s'en souvient pas, mais qu'il y avait des choses qui avaient été déplacées, il n'y a pas un truc comme ça, il n'avait pas dit un truc comme ça, je me souviens. Il y avait quelque chose qui avait été déplacé ou qui manquait. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est le personnage de... Voilà, bah, je te dirais, est-ce qu'il n'avait pas l'air de d'être énervé, puisque s'il n'est pas retourné, il a constaté quand même quelque chose pour avoir ainsi interpellé Vader. Rien ne vous vient à l'esprit. C'est possible. Écoutez, j'étais un petit peu accaparé par toutes ces fresques murales. Vous voyez, tous ces objets atypiques, quoi. C'est un tombeau. Mais maintenant que vous le dites, peut-être en effet a-t-il râlé après des affaires qui auraient été déplacées ou... Mais est-ce que vous auriez... qui était manquante. Mais je ne saurais pas vous dire quoi. Je sais que c'était dans la salle juste avant cette salle sombre que je ne veux pas revoir. C'est une salle avec des caisses, c'est ça? C'est une salle avec des caisses. J'en ai vidé une d'ailleurs pour me mettre à l'abri. Et dedans, il y avait des amulettes, il y avait tout un tas de choses auxquelles je n'ai pas particulièrement prêté attention, je dois bien l'avouer. Quel dommage que vous n'ayez pas récupéré une, mais bon, ce n'est pas grave. Soit, bah écoutez, merci Peter, je vais dans ce cas, je vais rejoindre Isabella, on vous attend, faites vite. Et alors, petite précision, on peut accéder aux cuisines par différents accès, soit depuis le restaurant, soit depuis le couloir. Après, j'avoue, j'ai du mal à voir le temps, il y a eu combien qui s'est passé entre quand on est revenu pour se soigner? Ah oui, il était 18h, à peu près 18h05, quand vous êtes revenu, il était 18h, le temps d'appeler le médecin. Isabella est arrivée sur les coups de 18h03 à la réception, 18h02, et a giflé Carter. Puis ensuite, elle est revenue avec le médecin. Il était 18h05, et c'est là où vous avez entreaperçu à travers la porte Vader. Et la porte s'est refermée très rapidement. D'accord. Oui, bon, il y a peu de chances qu'il y soit retourné, du coup, très bien. Écoute, moi, je vais quitter Peter pour le laisser terminer avec son costume, et je vais rejoindre Isabella. Mmh. D'accord, donc tu pars directement dans la salle Isis. Exactement. Ah, Isabella. Désolé de vous avoir fait attendre.
Isabella était, tu la voyais en tout cas près des bibliothèques, en train de feuilleter quelques ouvrages. Elle est revenue aussi. Elle était en train de revenir justement à ce moment-là où tu l'as croisée. Tout à fait, parce que j'étais un petit peu déçue, je comptais. J'avais espéré revoir Agatha pour... Non, tu n'as pas vu Agatha, tu as pu croiser un couple à une table. Il y avait justement une femme assez jeune, elle portait dans ses bras un petit bébé qui avait l'air d'être assez calme. Elle était en train de l'allaiter, et puis ce nourrisson était enveloppé dans des couvertures. Et puis, au bout de la table, il y avait apparemment son mari, hein, qui paraissait assez stressé. Il agitait, c'est pour ça que ça t'a fait assez tilter, il agitait sa jambe d'une façon un peu compulsive. D'accord. Il riait également, alors pas autant que la personne, l'individu que tu avais vu auparavant, mais il essayait de couvrir son rire... je ne sais pas pourquoi, avec la paume d'une main. C'est quand même une scène étrange. C'est assez surréaliste, on pourrait dire. La femme continuait d'allaiter son nourrisson, et puis elle buvait son thé. Et l'homme, tu as remarqué d'ailleurs, il avait sorti un petit calepin, et il écrivait quelque chose... Ils avaient l'air d'échanger quelques mots en allemand. Tu ne les avais jamais vus auparavant. D'accord. Alors ça, tu ne le vois pas parce que Samuel, puisque c'est arrivé au moment où tu étais à la réception, puis ensuite... Ah, du coup, je te dis, c'est insupportable. À chaque fois que je vois quelqu'un rire, je repense à ce pauvre... Ah, oui, je pense que cet hôtel, en tout cas, si ce n'était pour le mystère qui le concerne, je ne sais pas si j'y reviendrai pour un séjour de vacances. Oui, je crois que il me faudra quelques années avant d'avoir envie de revenir. Bon, pourtant, selon mes futures recherches, je serais peut-être amené à y revenir bien plus tôt que prévu. Ou que souhaité, du moins. Bon, j'ai quelques nouvelles, Isabella. Peter devrait pas tarder à nous rejoindre. Je pense qu'il a bientôt fini avec son costume. Oui, savez-vous en quoi il se déguise ? Il me semble en momie, j'ai bien compris. On parlait de bandage avec le tailleur. En momie ? D'accord. Allez, j'espère que ça n'empêchera pas de se déplacer encore plus... Enfin... Je pense que je pense que c'est un petit, pied de tête à ce qu'il a vécu. Après tout, ne s'est-il pas caché, je crois, dans une caisse ? C'est à propos pour... D'un sarcophage. À côté d'un sarcophage, tout à fait. Enfin bon, je n'ai pas très bien compris à un moment. Il évoquait une salle sombre, mais pourtant, lorsque je suis entrée, toutes les petites torches étaient allumées. Peut-être le stress post-traumatique. C'est un phénomène qu'on voit souvent. Certains de mes plus proches amis lors de la guerre de 39-45 avaient des fois des hallucinations dues à des phases de stress importantes. Mais peut-être l'enfermement dans cette caisse aussi. Oui. Enfin bon. De toute manière. C'est vrai que je n'étais pas présent, j'aurais bien aimé voir ce que vous avez vu. Cependant, le cadre ne s'est pas présenté, malheureusement. Non, vous n'auriez pas aimé. Je vous rassure, vous n'auriez pas aimé voir ce que j'ai vu. Cette créature était hideuse, abominable. Ça m'intrigue d'autant plus. Effrayante. J'aurais bien aimé l'analyser, surtout. Ah, ça peut-être. Mais vous n'auriez pas pu, elle vous aurait mangé. Oui, peut-être, oui. Enfin bon, tout ça pour vous dire que j'ai appris de nouvelles choses. Il semblerait que la relation entre Carter et Vader soit quelque peu tendue.
Cleveland m'a affirmé qu'ils avaient eu une sorte d'altercation et que Carter aurait accusé son complice de vol. Et Peter m'a bien confirmé que dans les sous-sols, il semblait avoir été indisposé par des objets qui auraient pu être déplacés. Il avait l'air d'être assez en colère à ce sujet. Je ne sais pas si ces objets ont été déjà, vendus, transférés ailleurs, je ne sais pas. Mais durant cette altercation, M. Lunpin, le trafiquant de reliques, entre guillemets, était présent. Du coup, je me demandais si ça ne vaudrait peut-être pas le coup de nous intéresser à lui. Il formerait donc un trio infernal. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un trio, étant donné que Carter n'était pas forcément pour ce... Enfin, comment dire, il avait l'air d'être énervé. Donc, c'est peut-être plutôt Vader et Lunpin qui ont tracté quelque chose ensemble, et Carter ne semble pas forcément être du même avis, je ne sais pas. C'est intéressant en tout cas. J'ai vu effectivement qu'ils sont guirlandais lorsque... Enfin, Carter avait l'air extrêmement nerveux. Mais j'ai passé mon chemin et je me suis occupé de vous trouver un médecin. Vous étiez en train de mourir. Oui, non, vous avez bien fait, mais je ne comprends pas pourquoi il est si, tendu. Ça devrait être pourtant le plus grand moment de sa vie s'il a fait une grande découverte. Je n'arrive pas à comprendre. Eh bien, écoutez, c'est peut-être d'une part le fait qu'il ait poussé un homme vers la mort qui l'a traumatisé, et d'autre part que nous avons sauvé cet homme et avons été témoins de sa lâcheté. Écoutez, Isabella, je ne peux pas aller dans votre sens. Vous savez. J'ai tendance à penser que pour en arriver à ce genre d'extrémité, il faut une certaine motivation. Sinon, un devoir, le devoir de la patrie. Ce qui, je ne pense pas, soit très, très, le cas ici même. Non, je pense qu'il va se passer quelque chose. Mais quoi, je ne saurais le dire. Une vente ? Peut-être, tout simplement. Mais une vente, dans ce cas-là... Oui, mais je ne sais pas. Est-ce que vous pensez vraiment que Carter vendrait ses recherches, enfin, ça me semble... Ce n'est pas vraiment votre marque de fabrique, non? Les archéologues, vous êtes plutôt à exhiber vos découvertes et à l'offrir au plus grand nombre. C'est ce qui fait quand même votre... Enfin, c'est... Vous savez, si vous pensez que tout le monde est comme ça, mais... Je me demandais si ce ne serait pas Vader qui s'approprie les découvertes de Carter pour les vendre. Et bien sûr, en lui partageant l'argent, mais ce n'est peut-être pas tout à fait le souhait de Carter, finalement. En tout cas, ce serait intéressant de savoir si Lunpin a obtenu quelque chose ou pas de la part de Vader ou de Carter, peu importe. Mais ça pourrait être un élément de preuve. Et tu vois que je pose quelque chose sur la table. Peter m'a confié ceci, et là tu vois que je m'approche de toi pour murmurer. Il m'a affirmé que c'était un passe-partout pour pouvoir pénétrer où on souhaite dans l'hôtel. Tiens donc. Tu vois que quand tu l'auras vu, je le range bien sûr discrètement. Et je pense que ce serait bien que si nous inspections certains endroits, vous soyez présente. J'ai bien peur que vous ne soyez peut-être que la seule à pouvoir discerner entre guillemets des choses qui pourraient nous échapper à nous profanes. Ah bah c'est plus que d'une cruche. Non, bah moi en tout cas, je ne saurais dire si je tombe sur un véritable, une relique égyptienne ou pas. Ce serait bien que vous soyez présente. Vous êtes la seule personne qui pourrait identifier, j'imagine, des objets importants. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de vase étrusque dans le coin, ça n'a rien à voir. C'était pour vous tester. Ah oui, tant mieux. Mais oui, bien entendu, mais j'espère que
vous montrer correctement la garde. Je n'ai pas envie de finir comme Peter, entraîné des sous-sols malgré moi. Eh bien, je propose plutôt que nous passions à l'action durant la soirée. Ne croyez-vous pas que nous devrions plutôt tenir nos trois lascars à l'œil ? Bien sûr, mais nous sommes que trois et de toute manière, on ne peut pas être sur tous les fronts. Justement. Nous devrions peut-être juste les surveiller pour la soirée, afin qu'ils ne s'en prennent pas à quelqu'un d'autre. Mmh. Bien écoutez, pour l'instant, nous ne savons pas où ils sont. Est-ce que la délicieuse Olga n'avait pas fait de confidence dans le bar là à son amoureux ? Si, justement, que son père était là pour soi-disant acheter certaines, comment dire, pièces rares. Alors c'était en effet à la Salésis puisque le bar était fermé. Et justement, vous la voyez qui est en train de fumer une cigarette près de l'entrée du bar. D'ailleurs, cela me fait penser que quand elle avait avoué cela, son amant avait eu un comportement assez étrange. Oui, c'était précipité. Ah oui ? Pour partir faire quelque chose, comme si... Et ensuite, il était revenu quelques minutes plus tard. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire, mais... En tout cas, il a changé de comportement. J'ai eu cette impression. Bon, après, bon, ça n'a rien à voir peut-être avec notre histoire. Je vous en fais part. Peut-être qu'il la surveille simplement pour son père, vous savez. Je ne sais pas. C'est quand il a appris que son père était présent pour acheter ce genre de pièces qu'il a changé de comportement. C'est ça qui me fait dire que c'est intriguant. Mais bon. De toute manière, on ne peut pas enquêter sur tout le monde. À un moment donné, Olga te jette un petit regard. Elle est à 5 mètres de vous, mais visiblement, non, elle n'entend pas ce que vous êtes en train de vous dire, d'échanger. Mais elle te jette un bref regard à toi, Samuel. Pas forcément amical. Un regard assez fermé. Elle est avec elle, un jean sec. Elle le termine et puis elle fait demi-tour. Et elle retourne au bar. Bah, je voudrais saluer poliment. Elle a fait mine de regarder ailleurs. Oui. Non, ton charme n'a pas... Même pas mérité un salut. C'était plus de la politesse. Oui, bah oui, oui. Mais même ça. Mais je n'en prendrai pas ombrage. Eh bien... Que faisons-nous dans ce cas, Isabella ? Nous attendons Peter ou... tentons quelque chose avant ce soir. Et oui, j'étais en train de réfléchir au temps qu'il nous reste pour nous mettre en costume. Je pense que c'est assez large. Nous devrions effectivement pouvoir visiter. J'ai vu que Olga Loupien est là. Peut-être que son père n'est pas non plus dans leur appartement et que nous pourrions en profiter. Mais comment s'en assurer ? Ce n'est pas là que Peter nous a raconté l'histoire de Mouette. Si, je crois savoir où est la suite en plus, mais c'est vrai que je ne saurais dire comment nous pourrions vérifier. Bah écoutez, agissons discrètement, puis nous verrons bien. Oui, vous avez une arme ? Bien sûr, mais bon, je préférerais ne pas m'en servir sur votre... Bien entendu, mais je me sentirais plus rassuré. Eh bien, allez, je vous accompagne dans ce cas. Allons-y. En repartant, vous repassez donc par la réception. Est-ce que vous allez prendre un ascenseur ou l'escalier ? C'était à votre étage, hein, d'ailleurs, hein, cet appartement des Loupines. Vous,
Vous êtes en tout cas devant la réception, hein, d'ailleurs. L'ascenseur, parce que bon, moi j'ai quand même la jambe un peu gonflée. Mmh. Oui, faut... et en plus il faut vous économiser. Oui. Je monterai la garde pendant que vous fouillerez. C'était bah, tu vois, je te donne le passe-partout, hein, d'ailleurs. C'était donc au premier étage et c'était les chambres 203, 204 et 205. Je glisse le passe-partout dans mon sac à main. Mon petit sac à main. C'était ici. Et puis, lorsque nous arriverons près de la chambre, même s'il n'y a personne, je sortirai le passe et l'utiliserai comme si c'était ma clé. Mmh. Tu peux me faire me lancer un dé de 100. C'est-à-dire, d'abord... on va peut-être écouter un peu pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la chambre. Moi, je m'allume une cigarette. C'est pour ça que tu peux me lancer un dé de 100. Oui. En dessous de 50, tu n'entendras rien. Eh bien, pour une fois que je fais un bon jet, bien sûr, je n'entends rien. Et enfin, puis... tu n'entends pas personne parler, tu n'entends pas de mouvement, une porte qui se ferme, peut-être ah oui, la salle de bain. Tu veux dire que... Pour toi, oui. Apparemment, il n'y aurait personne. Eh bien, du coup, je vais m'introduire dans la pièce. Je dis, faites attention, Samuel. Je regarde à oui, gauche, à droite, hein, je vois qu'il n'y a personne. Je ne peux pas t'empêcher de te dire, s'il y a un quelconque problème, criez, hein. N'hésitez pas. J'ouvre la porte, jette un œil d'abord sur ce que l'entrebâillement de la porte me révèle de la pièce. En tout cas, tu ne vois personne dans cette magnifique suite. Eh bien, j'entre. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre quelque chose. Et moi, du coup, Pazzo, pour que tu saches, je suis devant, hein, en train de fumer une cigarette. D'accord. Et je fais genre mine de peut-être lire, j'aurais peut-être pris un journal ou quelque chose. Voilà, comme si je cherchais quelque chose. On parle de journée. Je me saisis de mon revolver. Ouais. Et je regarde rapidement dans toutes les pièces de la suite pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et d'accord. Ensuite seulement je rangerai mon revolver. Ok. Alors, je suis en train de recharger 2-3 autres trucs. Donc tu vois, en rentrant tout de suite, donc un salon et deux chambres, une chambre de chaque côté, probablement une chambre de Dieter. Tu peux voir costume masculin étalé sur le lit. Et puis sur la droite, la chambre d'Olka. Tu es avec ton revolver, tu peux voir dans le salon qu'il n'y a visiblement personne, tu n'entends aucun bruit. Tu jettes un regard dans les autres chambres, il n'y a personne. Il y a également d'ailleurs un balcon aussi. Et une vitre qui a été récemment réparée. Au pied de cette vitre, tu vois d'ailleurs une petite, quelques gouttes de sang qui n'ont pas réussi à disparaître probablement suite au nettoyage. Et... bon, dans le salon, tu vois une table où il y a quelques objets personnels de Dieter, un stylo plume, du tabac, des documents. Il y a dans la chambre, si tu jettes un petit coup d'œil, tu vois une table de chevet, un très grand lit, une armoire. Tout à fait normal. Il y a différents ouvrages d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Et puis, quand tu regardes très rapidement dans la chambre d'Olga, tu vois pareil une table de chevet, une armoire, différents objets qui sont sur sa table de chevet. Pour l'instant, tu ne rentres pas, hein, tu observes. Hein. Quel type d'objet brosse à cheveux ou... Alors, quand tu rentres dans sa chambre, tu vois sur la table de chevet un sac en cuir. Bien, je vais aller voir ce qu'il y a dedans.
Il y a un produit de beauté, une petite flasque de whisky. Il y a d'ailleurs aussi un petit bateau. Quand tu l'ouvres, il y a une poudre blanche. Il y a également une barre de... que tu sens, hein, de résine, ce qui correspond au hashish. Et 100 livres sterling et quelques pièces de monnaie. Je me désintéresse assez vite de ces découvertes, même si c'est très intéressant. Et sur le lit, oui, sur le lit, alors ce que tu vois, ce que je t'ai pas précisé, il y a le pyjama de la jeune femme qui était allée sur le lit, près d'un roman d'Agatha Christie, The Mysterious Affair Hastings, une édition américaine d'octobre 1920. Les draps, le lit est légèrement défait. Mais les draps sont remis au niveau des têtes d'oreiller. Je regarde sous l'oreiller. Tu peux voir une lettre adressée à Olga que je vais te partager. Olga, je t'attends le 21, ma chère. S'il te plaît, ne change pas de sous-vêtements. J'ouvre, je déplie le petit papier que ce coquin de Carlo lui a écrit. Oui, bah, ce que tu vois, c'est plutôt un flot ininterrompu de grivoiserie assez sexy, puis de très mauvais goût. Super. Voilà, rien de plus. Il n'y a rien de glissé dans le livre d'Agatha Christie. Non, rien de glissé à l'intérieur. Je remets la petite lettre sous l'oreiller. Je trouve ça étonnant quand même, vu que c'est pas de très bon goût qu'elle la garde sous son oreiller, parce que c'est généralement quelque chose qu'on fait avec... une lettre qu'on apprécie. Ça lui a été envoyé le 12 novembre, c'est ça? Oui, tout à fait. Depuis le chiffreur d'hôtel. Et du coup, je retourne dans la chambre. Enfin, donc, dans la par suite. Carlo Gasparini. Quand tu retournes dans le salon directement ou dans la chambre? Est-ce que tu m'as parlé de documents. Alors, ce que tu. Oui, alors tu peux parcourir ces documents sur cette grande table. Il y a des documents qui détaillent des achats, des ventes du mois dernier, des peintures du 19e siècle par exemple, des meubles baroques, un Christ en ivoire. C'est assez général et assez ouvert vers différentes cultures. C'est pas du tout ciblé forcément sur l'égyptologie. Il y a aussi un journal en allemand, et puis sur le côté, tu vois un petit coin de page qui est déchiré. Je vais te le partager également. Ouh, c'était aujourd'hui. Il y a 3 heures de cela. Ils ont donc, c'est à peu près le moment où on était dans les souterrains. Oui, c'est le moment où vous êtes descendu, vous étiez dans le garde-manger. Ou du moins en direction du garde-manger. Et la chambre 407. Alors, il t'en avait fait part, hein, c'était, si tu te souviens bien, la chambre de Vader, Kurt Vader. Ok.
C'est bien sa chambre à lui. Ça a du sens. D'accord, donc c'est bien... Bon, ça, on savait qu'ils étaient en relation l'un avec l'autre. Et je vais aussi voir les livres qu'il y avait dans sa chambre à coucher, voir si... Oui, alors c'est... Ce sont des différents classiques latins, les six comédies de Terence, les 21 comédies de Plaut, ainsi que un recueil de Black Cookin en allemand. Tu peux ouvrir les ouvrages, non, il n'y a pas de lettres glissées, en aucun cas. Je fouille un peu son armoire, vite fait. Des habits, des costumes assez chics. Rien de particulier. Tu peux même regarder à l'intérieur s'il y aurait une cache, quelque chose. Tu ne trouves rien. Et du coup, je vais refaire pareil chez elle dans son armoire, puisque je ne l'ai pas visité. Tu en sortant, bon bah tu sens comme une sorte de courant électrique qui te parcourt le corps. Je regarde partout autour de moi. Tu regardes les murs, il y a différents tableaux avec les pyramides du Caire, quelques petites fresques, peut-être. Petites aquarelles, non, partout. Enfin, tu regardes autour. Par la fenêtre. Par la fenêtre, tu vois justement un balcon et justement ces courants électriques commencent un petit peu à s'atténuer. Tu vois donc ces deux pots de fleurs. Tu vois quelque chose même qui dépasse d'un des pots de fleurs. Contre le mur. Quelque chose de vivant ou... Non, c'est quelque chose de fixe. Tu t'approches, tu vois que c'est un revolver. Calibre 32. Étonnant, il est caché, là ou... Oui, il était dissimulé sous le pot de fleurs et il dépassait. Tu voyais la crosse qui dépassait sous le pot de fleurs, qui était surélevé. Et il était contre le mur. Tu l'as pu apercevoir. Eh bien, je vais le subtiliser. Tu ne ressens plus ces courants électriques, électrostatiques autour de toi. Je m'ébroue un petit peu comme après un frisson. Je prends donc ce revolver que j'ajoute dans mon sac à main. Je tasse un peu les choses dedans pour que ça passe. Et puis, eh bien, ma foi, à moins que tu me dises qu'il y a un endroit que Isabella pourrait trouver pertinent à fouiller. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Oui, parce que je suis pas sûre de tout visualiser. Non, t'as pas tout fouillé, hein, t'as juste regardé. De bien visualiser les choses. Du coup, je te fais confiance. S'il y a quelque chose qu'elle voit, comme un meuble en plein milieu du salon ou quelque chose comme ça. Bien, quand tu repars dans la chambre et que tu t'approches du lit de Dieter Lupin, tu ressens ces courants électriques sur ton bras. Tu vois, tes cheveux même qui commencent un petit peu à s'irisser, quoi, à se surélever. Il y avait déjà eu cette sensation ou pas Non, tu ne l'avais pas ressenti. C'était pas la même sensation que tu avais ressenti typiquement avec les nausées dans les couloirs souterrains avant d'arriver au temple. Non, je pensais à plus tôt dans l'hôtel, mais c'était peut-être pas à moi que c'est arrivé. Et je me demande d'où peut venir cette sensation. Et je regarde sous le lit, voir s'il n'y a pas un appareil. Eh bien, tu vois en effet une sorte de drap qui englobe une sorte de disque visiblement circulaire. Antique ou moderne ? Il est enveloppé, donc il faut... Ah bien, faut... je vais regarder de plus près. Eh bien, tu commences à le retirer de là.
le met au sol, sur le tapis. Il est recouvert, en effet, de ce drap. Ça a quelle taille ? Alors, je vais te dire ça. C'est assez grand. Hein, enfin, assez grand. Comme un 33 tours ou plus grand ? Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Tiens, je vais te le partager. Je vais te donner les dimensions exactes. Donc, tu vois un scarabée dessus, en effet, des joyaux. Après, ça correspond exactement à ce que tu vois. Que ce soit au niveau des symboles... Attends, le scarabée, c'est... Mais la créature à côté, là, par contre... C'est-à-dire, c'est recto verso ? Oui, tout à fait. Et quand tu commences à ouvrir les draps, tu as une sorte de courant électrique qui te parcourt le corps. C'est douloureux ? Oui, ça peut être assez douloureux. Alors, tu vas pouvoir me faire un jet de constitution. Il y a un arc électrique, en fait, qui parcourt toute la pièce et tu relâches le disque. Oui, est-ce que ce disque me dit quelque chose aussi ? J'aimerais bien savoir. Alors, tu voulais que je fasse un test de... De constitution. Oui. Ça fait tu vas perdre un point de vie. Tu l'as relâché tout de suite, hein, clairement. Oui. Et je me frotte le bras... Et d'ailleurs, ça fait ricocher, ça va de toutes parts, et à un moment donné, ça s'atténue. L'objet est toujours sur son bras. C'est quoi ce visage ? Ce que tu peux déjà constater, c'est que il y a sur le pourtour, sont inscrits le nom d'Akhenaton, en lettres d'or. Ainsi que le hiéroglyphe. Alors, je vais vous l'écrire exactement. C'est ce que tu arrives à traduire. Yog-Sothoth. Tout à fait. C'est un dieu que je connais ? Alors, tu connais Thoth, hein, typiquement. Hein, d'une des divinités égyptiennes. Ça, tu connais parfaitement. En égyptien, pour savoir ce que ça signifie, Yog-So, si ça veut dire quelque chose, gloire à Thoth ou quelque chose comme ça. Ce que tu arrives juste à comprendre, c'est que, bon, ce que tu sais, c'est que Thoth, c'est le dieu égyptien de l'intelligence, de l'écriture, du monde des rêves, du temps et des sortilèges. On pourrait le comparer au. La divinité grecque Hermès. Et celui-ci, en fait, Thoth, préside les cérémonies d'initiation au monde des morts et est responsable de la sagesse hermétique et ne donne accès à ses connaissances ésotériques qu'à ses prêtres impies. Je peux te le représenter d'ailleurs, j'ai. C'est Thoth. C'est Thoth. Donc il a une tête d'oiseau. Quand tu le regardes, cet objet, ce disque, hein, au niveau de dimension, tu penses que ça pourrait aller, pourrait servir de casque, de couronne. Donc, tu pourrais le placer sur son au niveau du front, comme un peu une lampe frontale. Ah, comme une... Je suis tentée, mais je ne vais pas le coiffer. Par contre, je vais vers la porte. Je l'entrouverai, je vais... Hey, Samuel. Et donc, on va passer à Samuel. Tout se passe bien. Samuel, pendant ce temps, justement, où tu étais seul,
À un moment donné, tu as vu sept personnages qui étaient passés devant toi. Ils sont restés de dos. Ils sont allés, où, à un moment donné, à 5 mètres de toi. Ils ont continué leur course. Tu paraissais bien évidemment inquiet, prêt à alerter Isabella, mais ils n'ont pas prêté vraiment visiblement attention à toi. Et puis ils avaient d'ailleurs une démarche assez particulière, on pourrait même dire robotique. Ils ont continué leur marche, assez synchro. Tu n'as pas forcément vu leur visage. Et puis, c'est cet homme en costume noir de dos se sont arrêtés. Il y en a un qui fait volte-face et t'a regardé. Et le deuxième a fait le même, et on aurait même dit la même personne. Et puis les autres hommes, les cinq autres hommes, étaient en train de discuter entre eux, et ils se sont retournés d'un coup. Et les sept hommes sont tous des copies conformes. Bon bah, j'ai un geste de recul, je peux pas m'empêcher quand même d'empoigner la crosse de mon pistolet à l'intérieur de ma veste. Je déclipse mon holster, alors je le dégaine pas complètement, mais j'ai la main dessus. Tu peux me faire un jet de santé mentale. On va voir comment tu vas réagir. Un jet de santé mentale. c'est vraiment beige. Pas de bol. Ouais, tu ne crois absolument pas ce que tu viens de voir, surtout que à peine tu te frottes les yeux que ces sept individus ont disparu. En un centième de seconde, tu n'arrives pas à te l'expliquer. Alors, santé mentale... Je pense que je sors un mouchoir, je m'éponge le front en me disant que je commence à devenir un peu fou. Tu vas perdre 6 points de santé mentale. Alors au niveau de ta réaction, on va voir un petit peu comment tu vas gérer cette folie passagère. Tu as en fait, tu n'arrives pas à croire ce que tu viens de voir. Et au moment justement où Isabella ressort, tu vois Samuel regarder dans le vide, dans une direction, et claque des doigts comme ça, elle t'interpelle, tu reprends tes esprits, et tu ne sais absolument pas ce qui vient de se passer. C'est assez vague dans ton esprit. C'est comme si tu avait eu une amnésie, mais tu as encore ce visage face à toi, du moins ces sept visages communs, mais ils sont disparus d'un seul coup, et tu ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Tu n'arrives pas à te l'expliquer. C'est peut-être passé quelque chose, mais le temps, c'est comme si qu'il s'était arrêté. D'accord, bah tu me vois m'éponger le front, j'ai l'air en sueur, et tu peux voir que je peux pas m'empêcher de regarder ma main gauche qui tremble un peu. Et tu vois que je viens me la masser, comme si... Vous allez bien. Je sais pas ce qui se passe dans cet hôtel, mais... Je me souviens pas très très bien, mais j'ai l'impression de... Oh, je sais pas si c'est encore les effets du poison, du scorpion, mais est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Vous n'aviez pas un appareil photo? Ah non, je n'ai pas ça sur moi. Oui, j'ai trouvé quelque chose. Je l'aurais bien photographié. Mais peut-être qu'on devrait le prendre, tout simplement. Oui, prenez-le. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous savez, c'est... Non, pas c'est trop, une preuve. Un instant. Je retourne très vite dans la chambre. J'emballe mon butin dans le drap. Et puis, ma foi, je le prends et je ressors de la chambre. Vite, prenons l'ascenseur. Allons dans notre chambre. C'est à l'étage. Mais nous sommes au même étage. Ah oui, ouais.
Attendez, je... Excusez-moi, je suis un peu déboussolé. Allez-y, je vais faire prévenir Peter que nous sommes dans notre chambre. Non, mais accompagnez-moi d'abord, parce que si jamais nous croisons Lupin, il reconnaîtra tout de suite. Oui, enfin emballez-le dans... Dans quoi sous ma robe? Bah bien, donnez-le-moi, je vais le mettre sous mon veston. Voilà. Puis tu vois que je t'accompagne. Mais tu vois que je suis pas rassuré, je peux pas m'empêcher des fois de jeter des regards un peu derrière moi. J'ai l'air troublé. Et j'ai refermé la porte à clé avec mon passe. Très bien. Oui, t'as tout remis en ordre. Tu as pris la lettre d'Olga. Qui avait été remise à Olga. Ouais, de Carlo. Ah non, je l'ai remise sous son oreiller. T'as tout remis, t'as juste... t'as pris ce disque que tu amènes directement dans ta chambre ou dans la chambre de Samuel. Je vais suivre Samuel, donc je ne sais pas où il... Puisque le temps que je ferme, il avait trois pas d'avance sur moi. On va dans ta chambre. Hein. D'accord. Et là, je te montre dans la chambre ce que c'est. Je dis, j'ai pas confiance. Je regarde ce que c'est. C'est vous pensez que c'est... Enfin, j'imagine que ça m'a tout l'air d'être égyptien ou... Enfin, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas très bien compris. Ça représente le dieu Thoth, peut-être, mais surtout, quand je l'ai trouvé, ça a dégagé une espèce peut-être électrique, comme si je recevais une petite foudre dans mon bras. Bah, quand tu dis ça, je peux pas m'empêcher d'être un peu intrigué. Bah, du coup, je le touche avec mon doigt. Je l'ai peut-être déchargé. Je sais pas s'il se passe quelque chose, Pazo. Oui, tout à fait. Un arc électrique envahit toute la pièce et t'irrisse tout ton corps, parcourt tout ton corps. Tu peux me faire un jet de constitution. Eh bien, tu étais un petit peu fixé par cet individu encore qui t'avait, pourrait dire, hypnotisé hein, quand tu l'avais vu dans ce couloir, et tu étais encore un petit peu égaré, pas au mieux de ta forme psychologique. Et d'un seul coup, ça t'a sorti de ta torpeur, de ce que tu viens de vivre comme expérience. C'est comme si que ça t'avait fait, on t'avait mis des électrochocs et ça t'avait réveillé d'un coup, quoi. C'est... Mais tu relâches en tout cas le disque au sol, tu l'avais légèrement soulevé et tu le relâches. Il commence à vibrer comme un plateau. Ouais, j'ai un petit geste de recul. Oui, en effet, j'ai ressenti une décharge. Regardez, il vibre. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'aurait pu trouver Carter? C'est lié, vous pensez? Comment voulez-vous que je le sache? Est-ce que ça me semble... Est-ce que je peux faire un jet d'archéologie? Ça me semble cohérent avec ce que j'ai observé dans le sous-sol. Par rapport aux autres pièces, oui, que t'as vu dans les... Attends, juste Pazo, t'as bien dit qu'il y avait écrit... Il y avait écrit quoi? Il y a écrit à Akhenaton sur le... C'est ce que t'as dit? Non. Ou pas? Non. Oui, c'est ce que... Exactement, oui, j'ai dit que... Il y avait en effet le nom d'Akhenaton en lettres d'or. Hiéroglyphe Yog-Sothoth. Si tu me le dis, je te dirais... Mais est-ce que le tombeau d'Akhenaton a été découvert ou pas? Oui, le tombeau a été découvert. C'est Toutankhamon qui n'a pas été découvert. Ah voilà, c'est lui, d'accord, ok, je confonds, excuse-moi, j'avais un doute. Akhenaton est en fait le père de Toutankhamon. Je t'ai dit, et puis vous voyez les hiéroglyphes là, ça veut dire Yog-Sothoth, donc ça rend un hommage au dieu Thoth. Je n'ai pas encore identifié les deux premiers mots. Et du coup, ça correspond le style de ce que j'ai trouvé au style de ce qu'il y avait sur la carte. Dans les différents. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, je pense que l'objet a été trouvé dans les souterrains, donc c'est sans doute Carter qui l'a vendu à Lupin.
Bon, gardons-le caché. On a un téléphone dans la chambre, Pazzo ? Oui, vous avez un petit téléphone pour appeler la réception. Bah, sinon, la réception, vous pouvez aller au service des postes pour appeler à l'extérieur. Non, mais je vais appeler la réception. Et puis, il faudrait prévenir le service des fraudes, de trafic. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite en besogne, Isabella, pour l'instant. Mais c'est une honte. Vous vous rendez compte? Cachez cela. Il salit toute la profession des archéologues. Ça m'a l'air d'être plus qu'un simple objet. Mais au téléphone, attendez, j'appelle la réception. Puis j'appelle la réception. Oui. Alors c'est à ce moment-là. Alors oui, juste pour compléter, hein, Kenaton, c'était le roi hérétique, hein, de ce que tu sais, Isabella. Hein, c'était le premier à mettre en place une religion considérée comme étant le premier monothéisme et être directement celui qui pourrait communiquer avec les dieux. Contrairement auparavant où c'était, enfin on va dire le dieu du coup, contrairement à avant où dans la région justement égyptienne, c'était directement les prêtres qui pouvaient interférer avec les différentes divinités. Ce qui avait créé justement une révolution pour l'époque. Et puis on va rebasculer du coup à Peter qui était en train de terminer les différentes essayages. Il était après 18h30. Et justement, donc Mr. Murphy te fait part que nous mettrons à votre disposition dans votre costume pour 20 heures, le temps que vous puissiez l'utiliser. Vous repasserez directement ici à la boutique et nous procéderons justement à vous le faire porter. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait. J'entends bien, nous ferons les ajustements au dernier moment. N'oubliez pas que je veux que ça couvre au moins une partie de mon visage. Pour tout que ça à fait plus authentique. Oui, oui, on vous laissera justement une ouverture au niveau de la bouche et bien sûr des narines. Hein. Très bien, c'est parfait. Bien, merci. Je vous en prie. Oui. Et puis, je vais laisser un message à la réception pour dire à... Enfin, pour que justement Peter sache que nous sommes aux chambres, dans nos chambres. D'accord. Oui, alors tout ça a duré pendant un bon moment. Et puis tu repars du coup en direction de la réception. Ouais, je suis juste à côté. Alors oui, je fais un crochet par la réception. Je demande s'il n'y a pas du courrier pour moi avant de remonter dans ma chambre. Et juste avant d'arriver à la réception, tu entends une sorte... un individu qui a l'air de faire un... qui a l'air de toucher un mot au réceptionniste. Tu vois que c'est Howard Carter, hein, qui est directement à la réception. Eh ben écoute, je m'approche doucement par derrière, d'abord en tendant l'oreille. Et puis, écoute, si je n'entends pas particulièrement la conversation avant d'arriver à son niveau, eh bien, je me place à côté de lui sur le comptoir. Est-ce que Carter est près de nous ? Oui, il est là. Oui, que je puisse faire pour vous, Monsieur Carter ? Quelque chose ne va pas ? Oui, il est arrivé quelque chose et je vous avoue que je suis très contrarié. J'ai eu à subir quelques désagréments. Un monsieur s'est introduit dans ma chambre. Je l'ai surpris, il était en train de fouiller dans mes affaires alors que j'essayais de tourner la clé dans la serrure. Il était déjà sur place. Et figurez-vous que ce monsieur m'a menacé. Ben moi, vous entendez ? Me menacer. Alors que je suis en passe de faire la plus belle découverte que le monde n'aura jamais connue. Je ne peux pas me permettre d'être menacé ici dans cet hôtel. Vous savez bien, Lord Carnarvon devrait arriver d'ici peu.
Oui, je suis parfaitement au courant. Il va arriver en effet demain en fin de matinée. Écoutez, je vais vite alerter notre directeur. Ça ne peut pas. Oui, c'est. Ce monsieur s'appelait Peter. Peter, il m'a dit son nom, mais. Voilà. Et donc. Il m'a menacé, vous comprenez ? Oui, monsieur, c'est moi que vous cherchez. Ah. Vous êtes là, vous ? Je moi, regarde. Moi, ici. Ça vous surprend, n'est-ce pas ? Le bas de ton pantalon. Oui. Oui, je suis surpris. Je vous avais laissé... En fort mauvaise posture. En fort mauvaise posture, avec des gens qui ont défendu non seulement mon honneur, mais ma vie, parce que vous m'avez menacé eh bien, dans cette cave. Je... Ah, mais écoutez, monsieur, si vous le souhaitez, allons en discuter dans le bureau du directeur. Ça, vous voyez bien. Mais s'il vous plaît, oui, avec faisons plaisir. Cela. Vous ouvrez la porte, Charles Beller est derrière son bureau en train de fumer un cigare. Excusez-moi, monsieur. Il y a visiblement un différend entre monsieur Carter. Un différend, c'est plus qu'un différend. C'est. Une agression pure et simple. Je ne sais pas ce que fait ce monsieur dans cet hôtel, mais il est là pour nuire, assurément. Et on peut le voir, n'est-ce pas, en regardant lequel de nous deux est le plus blessé des deux. Le monsieur qui joue avec les armes périt par les armes. Qui joue avec les armes. Vous avez certainement vu mon revolver... de spectacle qui n'est en aucune manière capable de tirer la moindre balle qui aurait pu faire le trou qui se trouve actuellement dans ma jambe. Eh bien, c'est parce que j'ai essayé de vous désarmer que le coup est parti. Qu'est-ce que vous dites ? C'était un revolver de spectacle. Non mais, n'importe quoi. Vous m'avez menacé. En aucune manière, monsieur. J'ai exploré votre chambre, certes, je l'admets. Mais jamais je ne vous ai menacé. Et j'ai exploré votre chambre parce que... On m'a demandé d'explorer cet hôtel. Oui, monsieur Carter, c'est à ma demande, en effet, que, justement, Peter... Monsieur Johnson... Peter, excusez-moi, je m'en mêle avec Samuel... Il n'y a pas de mal. Oui, excusez-moi. Que, à ma demande, je souhaitais résoudre quelques désagréments que nous avons eus ces dernières semaines, justement des phénomènes, on pourrait dire, atypiques. Que voulez-vous dire par là ? Que ce monsieur est un enquêteur ? Fait partie de la police ? Il fait partie, en effet, plutôt, non pas de la police, mais on pourrait dire des détectives. D'enquêteurs. Bien, figurez-vous qu'il a enquêté, et il a enquêté jusqu'à ma chambre. Il m'a expliqué sa version, en effet. Et il a fouillé. Certes, monsieur, c'était mon rôle. Et je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais... Vous admettrez que ce que j'ai découvert était fort peu rassurant. Il se trimballait avec quelque chose de pour le moins horrible. là figurait sa menace, vous voyez ? Il vous a menacé directement, je ne comprends plus. Directement, oui, il m'a menacé, il m'a montré ce qu'il faisait à ceux qui n'écoutaient pas ce qu'ils pouvaient exiger d'eux. Il avait un sac ensanglanté. Bien sûr, j'ai pris peur, je ne savais pas comment réagir à ça, et sous la menace de son arme... Nous sommes descendus, il m'a emmené à travers la cuisine, et puis et dans un lieu sombre. Il y a des témoins, bien sûr. Enfin, vous pouvez monsieur... demander à ceux qui étaient dans la cuisine, ils pourront confirmer ce qui s'est passé. Effectivement, il y a des témoins qui pourront certainement confirmer la vérité. Beaucoup de monde l'a vu certainement se promener avec ce sac. Ce sac que vous m'avez demandé de porter, oui, certainement. Mais alors, je ne comprends pas, vous avez reçu une balle, Peter. Mais certainement, je l'accompagnais pour voir ce qu'il avait à cacher, et ce monsieur m'a emmené dans vos souterrains, comme je vous l'ai décrit, et m'a emmené dans cette pièce avec ces créatures infâmes, mais pour ne pas que je puisse m'échapper, mettre une balle dans la jambe. Vous dites n'importe quoi. Certainement pas, monsieur. Certainement pas.
Je enfin... te toise méchamment, tu vois, et je fais un pas vers toi, presque menaçant. Enfin, monsieur, retenez vos coups. Bon, calmez-vous, messieurs. Et vous avez essayé de m'extorquer des informations par la force. Par l'intimidation. Oh, certainement. Eh bien, écoutez, ce que je propose dans ce cas, c'est tout simplement qu'on en reste là. Je me contenterai de raconter aux médias ce que j'ai vu dans les soubassements. Disons, par exemple, ce grand cube métallique, ce sarcophage noir, peut-être, qui intéressera tout un tas de gens, j'en suis sûr. Quelles sont ces découvertes, monsieur Carter ? Les miennes, de toute évidence, puisque... j'ai menacé monsieur pour aller en bas, donc je suis l'unique découvreur et tout ça ne pourra revenir que sous mon nom, n'est-ce pas ? Eh bien, si vous voulez parler de la presse, nous parlerons la presse. Nous attendrons certainement demain. Il ne sert à rien de déranger les journalistes aujourd'hui. De toute façon, ils doivent venir demain. Ah bon ? J'ai peut-être des déclarations à faire ce soir, pourtant. Eh bien, très bien, vous les ferez sans doute à un officier de police, n'est-ce pas, monsieur Waller ? Oui, oui. Oui, de toute façon, j'ai appelé en effet le responsable, le chef de la police du Caire, qui devrait justement arriver incessamment sous peu. Je m'en tiendrai justement, je vais m'entretenir avec lui, et dès demain, justement, il procédera à justement à chacune de vos plaintes. Son arrestation, exactement. Bien sûr. Monsieur Carter, je pense qu'il est, encore temps peut-être de nous expliquer si vous subissez des pressions. J'ai le sentiment que ce que vous m'avez fait subir n'était pas de plein gré, que vous aviez réagi, contraint et forcé à une situation qui vous déplaisait fort. Je pense que si vous avez des choses à nous révéler, il est encore temps de le faire, avant que ça ne s'envenime avec les autorités. Je fais un regard en coin, et puis je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Fais-moi un jet de persuasion, Peter. Très bien. Ou à moins que tu aies une autre idée de compétence sociale. Alors tu as intimidation, par exemple, baratin. Je pense que je suis très très médiocre dans toutes ces compétences de toute façon. Alors, on va regarder ça, tac tac. Oui, je vais regarder avec toi également. Non, je pense qu'il n'y a rien. Ce que j'aurai qui correspond le mieux, c'est persuasion à 10%. Crédit. Également crédit, oui. Crédit. Non, 5%. Il pèse pas lourd, Peter, il pèse pas lourd. Non, je suis pas quelqu'un qui convainc les gens, moi. Je les dépouille. Mais tu es dépouillé aussi. Oui, apparemment. Écoute, je vais tenter mon petit jet de persuasion à 10%. Sait-on jamais si tu fais un 1. Je pourrais utiliser des points de chance. 46, ouais, ça fait beaucoup de points de chance, j'ai bien peur de ne plus en avoir assez. Mais non, là, tu n'en as pas assez. Écoute, ça ne fonctionne pas. Quel dommage. Bien, écoutez, Monsieur Carter, moi, ce que je constate, c'est que cette personne, en tout cas, a été blessée à la cuisse. Vous avez visiblement certaines découvertes assez précieuses. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus de ces découvertes ? Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Vous le saurez. Vous le saurez bien assez tôt. Le monde le saura bien assez tôt. Oui, ce soir. Non, j'attends la présence de mon mécène, de celui... Oui, mais moi, comme je vous ai forcé à descendre dans ces lieux, j'en suis le découvreur et je peux révéler au monde ma découverte dès ce soir. Eh bien, faites-le. Vous serez ridicule et puis c'est tout. Ah, fort bien. Alors, si tu le souhaites, Peter, tu peux redoubler ton jet, mais en revanche, un échec pourrait te faire subir des répercussions... assez grave. Il faut pas me tenter avec ce genre de choses. Il y a 10% de chance. Ouais, fais attention, Manu est un joueur. Hein. Fais attention. Eh bien, c'est un loupé. Bien, j'ai compris en effet
votre retour, en tout cas, monsieur Reynolds. Veuillez m'excuser, en tout cas, monsieur Carter, de vous avoir froissé. Vous pouvez maintenant, je pense que vous pouvez nous laisser. Vous n'avez pas à vous inquiéter, de toute façon. De toute façon, comme je vous ai expliqué, le chef de la police devrait arriver incessamment sous peu, et cette affaire est résolue. Très bien. Je vous laisse donc régler cette affaire avec la police et envoyer ce monsieur là où il devrait être. Oui, ce sera fait dès demain. En tout cas, la police jugera. Je vous remercie. Et sur ce, j'ai des choses à faire. Et donc, je me dirige vers la sortie, la porte du bureau, et en passant, je te bouscule sensiblement. Je ne vous salue pas, monsieur. Je te mets un léger coup d'épaule. Et tu peux l'apercevoir qui se dirige à nouveau vers les escaliers. D'accord. Bien, du coup, tu te retrouves face à Beller. T'es Mr. Reynolds, je suis assez embarrassé. Moi aussi, pour tout admettre. J'ai essayé de le bousculer dans ses retranchements et malheureusement, ça n'a pas fait réagir. C'est quelqu'un qui a un certain nom, qui a une certaine réputation, et vis-à-vis de ses prochaines découvertes qu'il doit nous faire, des révélations, je préfère que, pour l'instant, nous en restions là, essayer de temporiser les choses. Bien sûr, c'était des menaces en l'air, je ne me permettrai pas, mais j'espérais qu'il prenne peur pour sa réputation. En tout cas, bon, je serais obligé de faire un rapport, de rapporter ce qu'a dit monsieur Carter. Est-ce que vous avez témoigné justement au responsable de la police qui devrait arriver? Très bien. Voudriez-vous, s'il vous plaît, aller constater par vous-même ou envoyer quelqu'un constater des marques probablement encore présentes de sang sur le tapis sous le divan de monsieur Carter? Ça étayera dans une certaine mesure mon témoignage. Oui, je vais envoyer un groom. Justement. Merci beaucoup. En occuper. Et bien entendu, je reste à votre disposition et à celle des autorités. Très bien. Merci en tout cas, Mr. Reynolds. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de complications pour vous, mais sachez que vous allez devoir rester certainement un petit moment au Caire. Eh bien, le climat y est agréable pour le moment. L'ambiance un peu moins, je dois admettre. En tout cas, reposez-vous et essayez de vous détacher de cela, même si c'est pas facile. Et essayez d'oublier. Je sais que ça va être difficile, mais en tout cas, retenez votre rage vis-à-vis de monsieur Carter. J'ai bien compris que, d'après votre version, il vous a tiré une balle. C'est lui qui a porté le coup. Quant aux ces créatures, j'ai du mal à y croire. Ça me paraît complètement invraisemblable. Je ne parlerai pas de ça justement à la police. Je parlerai uniquement que vous avez reçu une balle et que. Mais ça n'expliquerait qu'une partie de l'histoire, et ça étayerait sa théorie selon laquelle je l'ai menacé, alors que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il m'a tiré dans la jambe pour pas que je ne puisse m'enfuir et échapper à ces créatures. Ces créatures sont là, sous votre hôtel. Il suffit d'envoyer suffisamment d'hommes. Armé, j'imagine, pour le constater. On s'en occupera maintenant. Je vais essayer d'envoyer quelqu'un, mais il y a cette soirée justement qui va commencer. Je dois me préparer. Je ne veux pas faire d'histoire, envoyer justement des renforts. Demain, essayons juste de temporiser un peu. Bien sûr, bien sûr. Tu vois qu'en tout cas, il ne te croit absolument pas. Je pense qu'il est dans une situation qui le pousse à des mesures drastiques et inappropriées. Peut-être n'a-t-il pas totalement ses esprits. Peut-être que cette découverte, d'une manière ou d'une autre, le rend fou, ou jaloux, ou inquiet, ou que sais-je. J'ai le sentiment qu'il n'est pas dans sa condition normale. Oui, en effet, ce qui s'est passé depuis quelque temps, peut-être que c'est lui qui en est la cause, mais en
tout cas, restons-en au fait que voilà, il y a eu une agression de Carter vis-à-vis de vous. Je ferai part de cette version aux policiers, ainsi que la version de Carter. Quant à ces créatures, je ne veux plus en entendre parler. Je veux bien croire des phénomènes paranormaux, et c'est pour ça que vous êtes là, mais de là à me parler de créatures, va-t-on ? Bah écoutez, ce sont peut-être de pauvres bougres qui meurent de faim dans vos souterrains, peut-être des gens qu'on oblige à travailler de force, que sais-je, à les vérifier en fait. Tu vois que t'arriveras pas à le persuader, et il commence à regarder ses différents dossiers. Bon, très bien, je vous laisse. Je vous remercie en tout cas, merci beaucoup Reynolds pour votre aide, et vous allez voir, tout va bien se passer. Mais surtout, ne parlez plus ces histoires de monstres. Entendu, c'est vous le patron. Et du coup, bah, je m'éclipse et après avoir récupéré mon éventuel courrier à l'accueil, et probablement du coup le mot qu'on m'a laissé, je vais dans les chambres. D'accord. Et c'est là que tu retrouves Samuel et puis Isabella. Puis là, tu entends à côté, dans leur, ils sont tous les deux, ils sont en train de parler. Oh, Isabella, de toute manière, je ne sais pas quel est vraiment cet objet. Tu peux les rejoindre directement. Hein. Mais nous devrions nous montrer prudents. Ah, Peter. Oh, voilà une nouvelle trouvaille. Décidément. Vous en avez mis du temps. Ah, j'ai disons que j'ai eu le plaisir de rencontrer à nouveau Monsieur Carter. Ah, et cela s'est-il bien passé ? Mais oui, certainement, aucun problème. Il m'accuse de l'avoir agressé, emmené de force dans les caves, et il veut porter plainte contre moi. Ah oui, c'est fâcheux. Je suis certain que les autorités seront démêlées le vrai du faux. Je ne suis pas inquiet. Bah, tu vois que quand tu dis ça, j'ai un regard un peu compatissant. Oui, je l'espère. Je l'espère. Je ne connais pas la qualité de la police du Caire, mais... Je ne m'inquiète pas. C'est la qualité de toute police anglaise. En tout cas, comme vous pouvez le voir, voilà ce qu'a trouvé Isabella dans les appartements de Monsieur Lonpin. Et oui, qu'est-ce donc encore une babiole, mais décidément, Isabella, vous avez la main fort leste, je trouve. Leste, vous dites. Bah, agile. Moi, je dirais plutôt l'œil. En tout cas, n'y touchez pas, Peter. Cet objet semble dégager une espèce de décharge. Très bien. Oh, j'ai ma dose pour aujourd'hui de décharge. Et je pense que l'objet provient de la salle où je vous ai trouvé, dans le sous-sol. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est Carter qui l'a vendu ou qui est en train de le marchander à Monsieur Lupin. Peut-être Vader. Enfin, l'un des deux, en tout cas. Oui, peut-être que Lupin est un intermédiaire uniquement. Mais il m'aurait plus semblé logique que ce soit l'inverse, que Vader soit un intermédiaire et Lupin l'acheteur. Oui, c'est probable. C'est un marchand d'art, hein, justement. Un collectionneur d'art, Lupin. C'est ça. Peut-être n'est-il pas prudent de garder ce genre de choses dans nos appartements, dans la mesure où, très prochainement, je risque d'être mis sous l'œil inquisiteur des forces de police. Mais que voulez-vous que nous en fassions, que nous allions le confier à Monsieur Beller, par exemple ? Est-il encore temps ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on devrait le confier à Monsieur Beller. C'est lui qui nous mandate, pourtant. C'est peut-être, certes, oui, mais cet objet, si Carter, si c'est bien cet objet que Carter recherche, ça pourrait peut-être être un élément intéressant pour, comment dire, nous sortir d'un mauvais pas, le cas échéant. Eh bien,
En tout cas, ne le laissez pas traîner dans ma chambre. Et je pense que lui trouver un autre emplacement serait une bonne idée. Bon, mais écoutez, je m'occuperai de le dissimuler dans ma chambre à moi, dans ce cas. Si cela peut vous rassurer. Tu vas le dissimuler où, exactement ? Eh bien, écoute, c'est une très bonne question. Je me souviens qu'on a des salles de bain indépendantes, ce genre de choses. Oui. Oui, exactement. Et donc, on doit avoir des toilettes. Eh bien, écoute, je pense que je vais... on a des bouches d'aération, je sais pas, un faux plafond, ce genre de choses. Oui, t'as des bouches d'aération. Après, non, t'as pas de faux plafond. D'accord. Ce sont des lattes en bois. Dans les toilettes, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que si ça dégage... Je voulais le mettre peut-être dans, par exemple, tu sais, dans le plafond des toilettes, un truc comme ça, s'il y a une petite bouche d'aération, ce genre de choses. D'accord. Pour le cacher. Enfin, en tout cas, plutôt en hauteur. D'accord. Ouais. Dans la chambre, tu peux remarquer que tu as une sorte de petit accès, alors non pas pour accéder à l'étage du dessus, mais une latte, une plaque en bois que tu peux pousser et décaler, sur lequel tu pourrais en effet glisser cet objet. Et donc c'est au plafond ? Directement. Ça se situe entre ton lit et puis la fenêtre. Très bien. C'est assez poussiéreux quand tu ouvres, d'ailleurs, t'as de la poussière qui tombe sur ton visage, sur tes cheveux. Bon, je préviendrai bien sûr mes compagnons de où je l'ai dissimulé le Ah, mais je te regarde faire. Bon, voilà, exactement, hein, je vous préviens que je sois pas le seul au courant. Bon, il sera là en attendant. Maintenant, faisons peut-être en sorte de savoir... ce serait bien, Isabella, si vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur cet objet, quoi peut-il servir ou... Là, tout, c'est vous, notre experte. Alors, ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, il est mentionné Akhenaton, le roi qui croyait... Enfin, le roi monothéiste. Et puis, de l'autre côté, il y a un visage... Alors, les hiéroglyphes sont du côté visage ou du côté scarabée ? Alors, ils sont du côté scarabée. D'accord. Et de l'autre côté... D'accord. Non, tu vois juste de Hank. Avec les mots Yog-Sothoth. Donc quelque chose avec Thoth. Oui. Écoutez, moi ça ne me dit rien du tout, malheureusement Isabella. Oui, je m'en doute. C'est moi l'archéologue, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Je pense à 90% au moins que cet objet provient des sous-sols. Maintenant, peut-être que cela correspond avec les inscriptions qu'il y avait sur le sarcophage. Est-ce qu'il aurait pu être découvert au sein des ruines du dessous ? Mais oui, c'est ce que je me tue à vous dire. Très bien. Bah écoutez, c'est étonnant tout de même, mais cet endroit, enfin de ce que semblait dire le directeur, c'est un endroit qui a déjà été fouillé, il me semble, non ? Mais peut-être qu'ils sont allés plus loin que ne l'étaient allés les premiers explorateurs. Peut-être ont-ils trouvé une issue qui n'avait pas été encore ouverte. Est-ce que vous avez observé des excavations, ce genre de choses dans les souterrains ? Récentes ? Je n'ai pas fait attention, pour être honnête. Tu as vraiment vous avez repris tous le même parcours, hein, finalement. Non, et puis je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi toutes ces torches étaient allumées alors que vous êtes entré. Oui, c'est étrange. Oui, je sur le moment, je me suis dit qu'on rejoignait quelqu'un. Et puis, sur le moment, il m'a dit qu'il y avait une issue de l'autre côté de cette pièce noire dans laquelle il voulait que je rentre. Donc je pensais que peut-être quelqu'un était rentré par ici aussi pour allumer ses torches.
Mais maintenant, vous le dites, c'est étrange, effectivement, puisque nous sommes arrivés, et à part ces créatures, il n'y avait visiblement personne d'autre, alors... Vous croyez qu'elles connaissent le feu ? Bien, elles n'avaient pas l'air d'en avoir besoin, puisqu'elles étaient dans cette pièce sombre qui n'était pas éclairée. Quelle pièce sombre ? Eh bien, il y avait sur la droite, voyez-vous, quand on rentre dans la pièce où vous êtes venu à ma rescousse, il y avait sur la droite une seconde pièce qui, pour le coup, n'était pas éclairée et dans laquelle M. Carter a voulu que je m'engage. Et où se trouvaient eh bien, ces créatures. Et il se pourrait que, pour le coup, elles évitent cette pièce lumineuse. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils entretiennent d'ailleurs de la lumière, peut-être. Mais pour... vous voulez dire qu'il vous a poussé avec votre sac sanguinolent? Mais littéralement, oui. Où vivaient de telles créatures. Il m'a amené à dessein et m'a fait avancer en me suggérant l'idée qu'il y avait une sortie par là-bas. Ah, mais quel vilain bonhomme. Et une fois que je me suis avancé, que j'ai commencé à reculer en disant que non, je n'avais pas confiance et que c'était trop noir et que ça ne me paraissait pas logique de passer devant alors que c'est lui qui avait l'éclairage, eh bien, il m'a tiré dans la jambe. Ouais. Oh, l'affreux. Mais en tout cas, il y a cette pièce sombre dans laquelle il y a ces créatures, et peut-être que, effectivement, en y repensant, la fonction de ces lumières est de les garder peut-être à l'écart. Peut-être qu'elles peuvent faire des incursions temporaires dans cet espace lumineux, je ne sais pas. Bon, souvenons-nous-en, si jamais nous devons y retourner, cette fois-ci, équipons-nous de lampes torches. Ça serait pas une garantie, hein, parce que elles m'ont quand même attaqué dans la pièce lumineuse. Vous entendez quelqu'un frapper ? C'est au niveau de ta chambre, Peter. Bah écoute, je repasse par les portes qui relient les chambres, et puis je retourne ouvrir dans ma chambre. Oui ? Tu vois un groom qui t'apporte justement ton costume. Il est avec justement Mr. Murphy qui sont là justement pour te le faire porter. Ça va prendre une bonne demi-heure puisque le bal va débuter à 21h, et puis il y a d'autres grooms qui arrivent chacune de vos chambres, à Samuel et à Isabella. Pareil, Isabella, tu as ton fantôme de vampire. Et quant à toi, Samuel, c'était un costume... C'est le costume d'Anubis. D'une divinité. Ouais. D'Anubis, le dieu de la mort. Exactement. Et puis... Avec une petite balance, normalement, s'ils me l'ont bien amené. Et puis du coup, vous allez vous préparer pour la grande soirée du bal. Et je vous propose qu'on entame cette prochaine finale, en tout cas de cette journée, cette première journée, la semaine prochaine.